Bonjour à toutes et tous, nous sommes ensemble pour 1h45 de table ronde, d'échange, de décryptage, avec une première séquence sur les enjeux alternance des branches, sur les grandes orientations d'Atlas et sur les premiers éléments de bilan de la campagne 2021. Pour ouvrir cette première séquence, je suis avec Céline Vicken, présidente de l'OPCO Atlas. Bonjour. Bonjour et merci à tous de nous rejoindre pour cette seconde édition de cet événement. Merci à vous. Alors Céline Vicken, les branches professionnelles expriment de très forts enjeux d'attractivité sur le périmètre de l'OPCO Atlas et on va apercevoir d'ailleurs à l'écran les principaux chiffres clés d'Atlas. Des enjeux qui sont à la fois largement partagés par vos différentes branches professionnelles avec la conviction que l'alternance constitue une bonne réponse. Alors effectivement, Atlas a donc été créé pour répondre aux besoins des différentes branches qu'il compose. Et pour bonne part, ces branches sont en croissance et rencontrent aujourd'hui des difficultés de recrutement avec des métiers en tension. Et par ailleurs, une grande partie de notre population sont des cadres avec des profils relativement élevés qui demandent un certain nombre d'années d'études, ce qui fait que l'apprentissage est un dispositif qui se prête plutôt bien pour essayer de répondre à ces différents enjeux. Par ailleurs, je précise juste qu'une étude de l'APEC récente a montré que près de la moitié des recrutements à venir sur la période se feraient sur notre périmètre. Quelles sont, Céline Vicken, les principales orientations prises par l'OPCO Atlas en réponse à ces enjeux des branches professionnelles ? Alors, dès la réforme de la formation professionnelle, il est apparu que nous devions travailler pour mieux construire la réponse que nous apportions à travers l'apprentissage pour les entreprises, pour les jeunes alternants et salariés, mais également vis-à-vis de nos partenaires. Donc nous avons initié des travaux de constitution autour du campus Atlas pour permettre la promotion des métiers, pour permettre aussi de travailler sur la pédagogie, mais également pour permettre de travailler avec nos partenaires à de meilleures coopérations ensemble pour apporter des réponses les plus adaptées possibles. Alors avec le plan d'action d'Atlas et bien sûr l'aide exceptionnelle de l'État qui vient d'être reconduite jusqu'au 30 juin 2022, l'alternance connaît un fort développement en 2020, ça se poursuit en 2021. Peut-être Céline Vicken, quelques premiers éléments de bilan sur les 8 premiers mois de l'année de la campagne alternance. Alors Atlas fait une excellente performance sur l'apprentissage puisqu'on a une très forte croissance du nombre d'apprentis qui se sont inscrits, ne serait-ce que sur cette année alors qu'elle n'est pas encore terminée. L'accès au bac plus 5, la réforme qui a été portée a été amendée par des différents dispositifs, donc des aides, et l'ouverture au bac plus 5, ce qui a permis le développement de l'apprentissage, notamment au sein des TPE, et ce qui a boosté les chiffres que l'on peut observer par ailleurs. Céline Vicken, vous le disiez tout à l'heure, cet événement, c'est la deuxième édition. Quels sont les objectifs de ce CRU 2021 ? Alors d'une part, c'est de présenter nos travaux, de nous présenter, de faire un état de ce qui a été fait, de toujours promouvoir cette démarche, de favoriser les échanges, puisqu'il y aura dans cette aujourd'hui en fait une séance de questions-réponses également. Mais c'est aussi de toujours s'inscrire dans une démarche de co-construction avec nos partenaires, que sont notamment les organismes de formation ou les CFA, et de maintenir en fait tout ce travail qui a été initié. L'idée, c'est qu'on est toujours dans un processus d'amélioration continue. Et alors pour rappel, quand même, Atlas porte des secteurs qui sont en évolution permanente et qui portent la digitalisation de l'économie, avec toujours une évolution de la prospective. Et on le sait, on va devoir développer des formations avec de nouveaux métiers. Et pour ça, on a besoin de nos partenaires. Et l'idée, c'est de travailler ensemble de la manière la plus efficace possible pour l'ensemble des parties prenantes. Merci beaucoup, Céline Vicken. Alors, merci. La présentation des temps forts de ce webinaire et des modes d'interaction. 3 temps forts. Le premier sur les nouvelles stratégies pour promouvoir l'alternance. 2e temps fort sur les nouveaux services au CFA, simplification, digitalisation, mise à disposition de data. 3e temps fort sur le soutien à l'innovation. Plusieurs annonces, un prochain webinaire sur la mobilité internationale, de nouveaux sites internet pour promouvoir les filières et les métiers, 2 nouvelles opérations de job dating,
des améliorations de services en ligne pour la saisie et la facturation des contrats, le lancement du troisième appel à projet auprès des CFA ou encore, en fin de webinaire, la création d'une communauté de CFA initiée par Atlas et le lancement de nouveaux événements territoriaux. Pour interagir avec les intervenants, vous pourrez poster vos questions, vos commentaires, vos témoignages sur la plateforme Livestorm. Je m'efforcerai de les relayer au mieux. Place tout de suite au premier temps fort sur les différentes actions pour informer sur les métiers, informer sur l'alternance et pour promouvoir ce mode d'apprentissage. Les nouvelles stratégies pour promouvoir l'alternance. Premier temps fort pour évoquer cette thématique. Quatre interlocuteurs en plateau. Bérénice May, qui est responsable du développement et des partenariats d'Article 1. Bonjour. Bonjour. Alors pensez bien à prendre votre micro. Voilà. Jérôme Panceau, qui est délégué régional d'Atlas en Occitanie. Bonjour Jérôme. Bonjour. Céline Petit, qui est responsable du service promotion des métiers à Atlas. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Monica Occhian, qui est chef de projet développement de l'alternance et des partenariats à Atlas. Bonjour. Nous retrouverons tout à l'heure à distance Muriel Nicou, qui est responsable marque employeur, marketing et expérience RH d'AXA. Pour démarrer cette séquence, nous allons parler des CFA et de leurs attentes en matière de promotion de l'alternance. Combien les CFA partenaires d'Atlas sont-ils ? On va tout de suite voir la réponse en image sous la forme d'une carte de France. 1612 CFA au total qui accueillent au moins un apprenti sur le périmètre d'Atlas. On voit sur la carte le nombre de CFA répartis sur les 13 régions métropolitaines. 88% de ces CFA ont moins de 100 apprentis. 2% à l'inverse, presque 40, en ont plus de 500. Voilà pour les grandes lignes. Alors, Jérôme Panceau, Atlas a souhaité aller plus loin, connaître plus précisément les profils des CFA, leurs attentes, via une enquête qui a été menée durant la première quinzaine de juillet. 173 CFA ont répondu, il y avait une trentaine de questions posées. On va voir tout au long de ce webinaire les principaux résultats, avec une première question qui était posée aux CFA. Les CFA partenaires d'Atlas forment les apprentis dans quelle filière ? Oui, donc la première question qu'on a souhaité évaluer au niveau des CFA était de savoir quelle était la part des contrats d'apprentissage réalisés par les entreprises des différentes branches professionnelles de l'OPCO Atlas proportionnellement à l'ensemble de l'activité des CFA avec qui Atlas travaille. Alors vous avez à l'image la déclinaison en fonction des différentes branches et des différents secteurs professionnels de l'OPCO Atlas. Alors sans rentrer en détail de ces chiffres, ce que l'on peut dire c'est que majoritairement, les CFA avec qui travaille Atlas sont pluridisciplinaires. Ils ont des activités qui couvrent de nombreuses branches professionnelles, bien au-delà du simple périmètre de l'OPCO Atlas. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a finalement quasiment pas de CFA qui ont une offre exclusivement dédiée, ou en tout cas majoritairement dédiée, aux entreprises de nos branches professionnelles. Avec combien d'OPCO les CFA travaillent-ils en moyenne et par rapport à Atlas, que représente l'OPCO pour eux ? Oui, alors de manière complémentaire à ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire des CFA qui sont pluriactivités et qui répondent à différents secteurs professionnels, logiquement, cela induit qu'ils travaillent avec beaucoup d'OPCO. 56% des CFA qui ont répondu à l'enquête ont déclaré travailler avec plus de 5 OPCO. Alors un élément complémentaire, pour 45% de ces CFA, Atlas fait partie des 3 premiers OPCO avec lesquels ils travaillent. Troisième question. Quels sont vos enjeux prioritaires en matière d'attractivité ? Question posée au CFA. Oui, alors on a essayé de savoir quelles étaient les difficultés remontées par les CFA. Alors, les deux principales difficultés qui, malheureusement, ne sont pas nouvelles pour nous. La première, c'est finalement d'attirer des candidats vers les formations des CFA. Et la deuxième, c'est d'améliorer l'accessibilité aux entreprises pour ces jeunes. Alors, ces deux difficultés, elles sont certainement liées au fait que les trois quarts des contrats en alternance qui sont réalisés par les entreprises rattachées à l'OPCO Atlas
prépare des diplômes entre Bac plus 3 à Bac plus 5. Cela induit que les candidats recherchés doivent déjà avoir des prérequis à minima Bac plus 2, ce qui réduit le nombre de candidats potentiels. Autre élément, les entreprises vont recruter des niveaux de qualification relativement élevés, ce qui certainement crée plus d'exigences en termes de sélection de ces candidats. On le voit, les attentes des CFA sont nombreuses et on va voir à présent comment Atlas et comment ses partenaires peuvent y répondre. Avec tout d'abord un focus sur les initiatives territoriales prises par Atlas pour informer, pour conseiller en proximité à la fois les CFA, mais aussi, bien sûr, les entreprises, premiers clients de l'OPCO, Jérôme Panceau. Alors, l'année 2020 a été particulièrement dense, mais en 2021, Atlas est encore très fortement sollicité. Cela se traduit comment pour les équipes d'Atlas ? Oui, 2020, évidemment, est une année très dense. C'était la première année où les OPCO ont récupéré la compétence sur les contrats d'apprentissage. Et 2021, comme vous l'avez dit, c'est vrai, est encore plus fort. À titre d'exemple, sur le premier semestre, nous avons traité plus de 170 000 appels téléphoniques. 170 000 appels, c'est quasiment 35% de plus que ce que nous avons traité en 2020. Alors, des appels qui viennent aussi bien d'entreprises, majoritairement, mais également d'organismes de formation, de CFA, mais également de particuliers, d'individus, d'apprentis. Alors, pour essayer de faciliter la manière de nous joindre, parce qu'évidemment, avec un tel volume, ce n'est pas toujours évident de nous joindre. Depuis plusieurs années, maintenant, nous avons dissocié les numéros de téléphone. Et donc, il y a un numéro dédié pour les entreprises, un pour les organismes de formation et CFA, et un autre pour les particuliers. Si vous ne connaissez pas ces numéros, il suffit d'aller sur notre site internet, dans la rubrique Contact. Il y a les trois numéros pour nous joindre le plus facilement possible. Alors, il y a des périodes plus particulièrement chargées pour un opérateur de compétences, février pour la collecte et en ce moment, septembre, pour la rentrée des contrats. Du coup, comment vous êtes-vous organisé après l'afflux de 2020 et cet afflux aussi de 2021 pour faire face à ce volume de contrats impressionnant ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une activité cyclique avec la rentrée de septembre qui représente un très fort volume d'activité. À titre d'exemple, actuellement, nous recevons à peu près 1000 contrats d'apprentissage chaque jour. Notre enjeu, c'est d'être en capacité d'instruire tous ces dossiers dans un délai maximum de 20 jours. Donc, pour réussir à répondre à cet objectif, nous avons fortement étoffé nos équipes pour instruire les contrats d'apprentissage. Nos gestionnaires de dossiers, par exemple, qui jusqu'à présent traitaient majoritairement des dossiers dans le cadre du plan de développement de compétences, des contrats de professionnalisation, un grand nombre de ces gestionnaires ont été formés pour être en capacité de traiter les contrats d'apprentissage. Quelles initiatives avez-vous proposées aux CFA, aux organismes de formation pour répondre à leurs questions et puis aussi décrypter un certain nombre d'évolutions réglementaires ? Alors, notre activité est évidemment aussi de conseiller les entreprises, de conseiller les organismes de formation et de conseiller, de faciliter l'accès à la formation et l'alternance. À titre d'exemple, sur le premier semestre, l'ensemble de nos équipes ont conseillé plus de 17 000 entreprises lors de rendez-vous individuels. On a également organisé 300 webinaires avec environ 10 000 participants sur des thématiques très variées, évidemment, sur l'alternance, sur l'apprentissage et certains webinaires qui étaient spécialement dédiés aux CFA, aux organismes de formation, puisque nous avons organisé de nombreux webinaires consacrés à la qualité de la formation et à la certification Calliope, qui est évidemment un enjeu majeur pour tous les organismes de formation au 1er janvier 2022. Il y a un prochain webinaire intéressant à signaler, hein, c'est celui sur la mobilité internationale. Alors, quel est plus précisément peut-être l'objectif, les partenaires, comment on s'inscrit ? Oui, le 24 septembre prochain, nous organisons un webinaire dédié à la mobilité internationale et qui s'adresse aux référents mobilité des CFA. C'est un webinaire que nous organisons en collaboration avec la DGFP, avec Erasmus, avec EAM, et qui a pour objectif finalement de faciliter ce rôle de coordinateur, puisqu'il y a de nombreux acteurs qui interviennent au niveau de la mobilité internationale pour les alternants. Et donc, pour faciliter ce rôle, ce webinaire est là pour essayer au mieux de les aiguiller. Pour s'inscrire, c'est assez simple. Pour ce webinaire et finalement pour l'ensemble des événements organisés par l'OPCO Atlas, il suffit d'aller sur notre site internet, il y a une rubrique agenda, et il y a l'accès à l'ensemble des événements, dont ce webinaire, organisé donc dans une quinzaine de jours.
Pour promouvoir l'alternance, pour promouvoir les métiers, il y a un autre axe, hein, ce sont des partenariats avec les régions qui sont en train d'être conclus. Monica Occhian, où en est-on aujourd'hui? Combien de conventions Atlas a signées avec des conseils régionaux? Eh bien, pour le compte de ces branches professionnelles, l'OPCO Atlas a conclu des conventions effectivement d'objectifs et de moyens pluriannuels avec trois régions, Normandie, Occitanie et également Centre-Val de Loire. Il est prévu prochainement également la signature et des discussions en cours sur la signature d'autres conventions avec trois autres régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Hauts-de-France. Alors pourquoi ces conventions? Ces conventions permettent à l'OPCO Atlas, à travers ses délégations régionales et aux régions, de s'engager mutuellement à partager des données, partager leur analyse en matière d'emploi et de formation, rassembler les acteurs de l'apprentissage sur les territoires et également intervenir en conjuguant leurs moyens de la manière la plus efficace possible. Quelques exemples de ce que prévoient ces partenariats? Alors, ces partenariats contiennent plusieurs axes. On va en citer trois ce matin. Premier axe, l'orientation et la promotion des métiers au service de l'alternance. Ça passe à titre d'exemple par la mobilisation et l'utilisation des kits pédagogiques, vidéos métiers, autres ressources qui sont créées par les branches et également les régions. Deuxième axe, l'élaboration des cartes de formation en apprentissage qui sont importantes à double titre puisqu'elles permettent d'alimenter, on va dire, les sites d'information sur l'offre de formation en apprentissage et également d'alimenter les réflexions des régions en matière de priorité et parfois même l'octroi de financement auprès des CFA. Donc à ce sujet, j'invite fortement les CFA à faire référencer leur offre de formation en apprentissage via les sites en ligne des Carrefouref. C'est vraiment le bon endroit pour se faire identifier, repérer et être identifié par l'ensemble des acteurs au niveau régional, mais également national. Enfin, un dernier axe qui est important d'évoquer, la complémentarité des financements qui sont proposés au CFA, avec d'un côté les régions qui proposent des appels à projets de soutien à l'investissement et au fonctionnement des CFA, et côté Atlas, des appels à projets de soutien à la qualité et à l'innovation pédagogique. Et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Jérôme Panceau, parmi les trois conventions signées, il y a la convention avec le conseil régional d'Occitanie. Quelques exemples d'actions très concrètes qui sont prévues dans les prochains mois. Donc, cette convention que nous avons signée cette année, qui a pour vocation à fluidifier, faciliter le dialogue entre notre OPCO, nos branches professionnelles et la région. Alors, deux exemples. Le premier qui concerne la FEST. Nous avons obtenu, par exemple, une subvention pour financer la formation des référents à FEST. La FEST qui avait été identifiée sur cette convention comme un axe prioritaire, que ce soit aussi bien par Atlas que par la région. Autre exemple, dans le cadre de ce qui s'appelle le programme régional de formation, c'est-à-dire le catalogue de formation proposé par les régions à destination des demandeurs d'emploi, dans le cadre des formations qui concernent nos métiers, eh bien, nous avons mis à disposition l'ensemble des référentiels d'activité pour que les formations proposées puissent être les plus proches possibles des préoccupations attendues par nos entreprises. Alors, j'ai une petite question pour vous, Jérôme, qui est posée par un CFA. Alors, c'est une question qui porte en fait sur la prise en charge. En cas de mise à jour du référentiel, sur le niveau de prise en charge, référentiel France Compétences, l'OPCO doit-il modifier la prise en charge d'un contrat en cours à la hausse et à la baisse? Alors, je le précise, c'est des questions qu'on va évoquer de manière beaucoup plus détaillée tout à l'heure, quand on va parler justement de facturation, de prise en charge des contrats, etc. Mais peut-être un premier élément. Oui, alors là, il s'agit certainement du cas de ce qu'on appelle le coût d'amorçage, c'est-à-dire que lorsqu'un diplôme n'a pas encore un coût qui a été identifié, il y a un coût d'amorçage qui est fixé par décret. Et ensuite, une fois que ce coût est définitivement fixé, en effet, il peut être à la hausse ou à la baisse, nous devons nous y référer. Et donc, en effet, si malheureusement le coût définitif est inférieur au coût d'amorçage, nous allons baisser notre prise en charge. Une régularisation. Et évidemment, dans l'autre sens, si le coût est supérieur. Alors, les partenariats pour promouvoir l'alternance, ce sont aussi les opérations à destination des entreprises, et notamment les job dating. Mais avant de détailler ces job dating, qu'Atlas appelle co-jobbing, on va se pencher sur une opération atypique en faveur de l'alternance. Avec un focus sur l'opération Pimp My App, on va, pour en parler, retrouver à distance Muriel Nicou, qui est responsable marque employeur marketing et expérience RH à AXA. Bonjour. Bonjour à tous.
Muriel Nicou, peut-être quelques mots pour présenter alors, votre groupe que tout le monde connaît, mais en matière d'alternance, quelle est votre politique? Combien d'alternants vous accueillez chaque année? Alors, effectivement, j'ai en charge l'équipe marque employeur Campus qui intègre le marketing et les expériences RH pour AXA en France. Et AXA, c'est une petite mutuelle qui a évolué, comme vous le savez bien, en leader mondial de l'assurance. Alors, en France, c'est à peu près plus de 30 000 personnes qui travaillent sous l'égide de la marque AXA. Et ça représente plus de 5 500 recrutements annuel, dont 900 recrutements environ d'alternance. Alors, on va faire le point sur cette opération Pimp My App. C'est une opération qui a été menée fin juin, début juillet. Et tout d'abord, pourquoi ce nom, Pimp My App, Monica Occhian? Eh bien, parce que c'est un programme engagé en faveur de l'égalité des chances et qu'il permet aux participants d'innover sur une application, une solution numérique en réponse à une problématique donnée par une entreprise. De quoi s'agit-il? Alors, l'édition Atlas avec Pimp My App fait partie de l'une des expérimentations qui ont été soutenues cette année par les partenaires sociaux pour diversifier les profils des alternants dans les processus de recrutement des entreprises. C'est un programme, comme la plupart des programmes que nous expérimentations, qui vise en priorité effectivement des publics prioritaires. D'ailleurs, à ce titre, on peut peut-être effectivement regarder rapidement quels étaient les publics ciblés et qui ont participé à cette édition. Donc on peut effectivement constater des candidats issus de 6 régions différentes, également des demandeurs d'emploi en reconversion, voire des jeunes en réorientation de formation vers des formations préparant au métier du numérique. Si on peut effectivement regarder également la prochaine diapo, on peut également constater une majorité de femmes, donc c'est effectivement très encourageant, et des publics, donc voilà, comme on l'a dit, prioritaires, jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville, zones de revitalisation rurale et également en situation de handicap. Donc 16 participants, Monica Occhian, qui ont participé à des ateliers pendant 2 semaines avec une problématique Atlas, une problématique AXA. On va le voir tout à l'heure. Comment se sont déroulés ces ateliers? Alors, la première semaine, les participants suivent un design sprint avec l'encadrement de coach de l'équipe de Pimp My App. Ils sont soumis donc à une problématique en début de semaine. Ils pensent une solution, ils la prototypent et également la présentent à des testeurs en fin de semaine. Donc, c'est une semaine assez intense. La deuxième semaine, les participants suivent des ateliers et des conférences pour pouvoir parfaire leur pitch final, leur présentation finale auprès des entreprises et également booster leur recherche d'entreprise, puisque c'est l'objectif. Muriel Nicou, chez AXA, quelle était la problématique sur laquelle les jeunes ont planché, liée à l'alternance, bien sûr? Alors, la thématique, c'était comment faciliter la transmission des savoirs entre alternants du transfert. Donc, c'est à la fois les thématiques de transfert de compétences et de mise en relation. Et pourquoi c'est un vrai pain point, hein, c'est qu'en fait, c'est un pain point pour l'alternant qui arrive sur un poste et qui n'a pas souvent la possibilité d'effectuer une passation avec son prédécesseur. Et c'est aussi frustrant pour l'alternant qui part, parce qu'il a le sentiment aussi de laisser ses bébés, les missions, les projets sur lesquels il a travaillé, et alors qu'il aimerait bien transmettre peut-être des conseils pour que les projets perdurent, et également pourrait aussi transmettre les codes de l'entreprise, son vécu. Et Atlist aussi, c'est pour le manager et pour le tuteur, c'est souvent très compliqué opérationnellement d'organiser cette transmission, avec un risque de déperdition de connaissances, et donc de maintenir l'activité. Quel a été le regard des candidats sur votre enjeu à l'issue des 2 semaines et quelles préconisations ont-ils formulées? Alors, c'était un regard très intéressé. Donc, ça nous a permis vraiment de conceptualiser la perception qu'on avait du besoin, de bien se dire, on challenge, est-ce qu'il y a un besoin qui existe, le confronter aux attentes et aux attentes des différentes parties, comme on le disait, donc de tester, de mettre sur le doigt sur des modalités plus efficaces que d'autres, et notamment avec une vraie orientation vers le gaming qui nous a été proposé lors de ce hackathon, et vraiment nous aider à nous questionner sur quelles informations souhaitent les nouveaux alternants souhaitent-ils. Ils ont posé des questions sur tout à fait pertinentes
pour nous aider à conceptualiser ce besoin. Quels enseignements vous en tirez pour la suite? Quelles pourraient être les suites précisément de cette opération? Alors, c'est effectivement, on était ravis de participer à cette opération. Ça nous a convaincus qu'il y avait effectivement un besoin et qu'il nous faut poursuivre d'instruire ce sujet dans les prochains mois, dans la continuité de la réflexion du hackathon. Après, la cerise sur le gâteau par rapport à l'opération serait de pouvoir transformer avec des propositions d'embauche sur des participants de ce projet. Mais dans ces cas-là, il faut le refaire un petit peu plus tôt dans l'année pour que ça coïncide aussi avec les timings des candidats, puisque bien sûr, ces profils-là étaient déjà sur des pistes au mois de juin lorsque nous avons initié l'opération. En tout cas, ravis. Et je pense qu'ils étaient aussi très intéressés de travailler sur ce sujet qui les touche. Alors, il y avait AXA, il y avait BNP, il y avait aussi Atlas qui a fait plancher des candidats sur des problématiques liées à l'alternance. Et au plan qualitatif, il y a une satisfaction réelle. Alors, un certain nombre de candidats ont laissé des verbatims. Je vais vous lire quelques extraits, citations extraites du commentaire laissé par Basma. Je remercie toute l'équipe et les coachs. C'est sans exagération la meilleure formation à laquelle j'ai participé. C'est pas du tout ennuyeux. En fin de journée, on se sent fatigué, mais encore envie de travailler sur les projets portés par Atlas. La participation à Pimp My App m'a enrichi mon CV et mon cerveau et m'a aussi aidé à sortir de la routine de recherche d'alternance H24. Monica Oukian, c'était une opération à destination des entreprises. Est-ce que demain, on pourrait imaginer qu'elle le soit aussi à destination des CFA et des organismes de formation ? Oui, complètement. C'est un programme qui permet effectivement, qui permettrait en tout cas aux CFA de diversifier leur profil aussi d'alternants et d'avoir un programme d'accompagnement à leur recherche d'une entreprise. Tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet, voilà, j'invite aussi les CFA qui sont intéressés par ce type de programme à nous solliciter. On peut les mettre en relation avec d'autres partenaires et on peut également les appeler dans le cadre d'autres expérimentations de ce type. Je voulais juste également remercier dans le cadre de cette édition Atlas, les deux entreprises partenaires, donc AXA et également BNP Paribas, vous l'avez cité. Je voulais remercier aussi Romain Dosset et son équipe de Pimp My App, également Article 1, puisqu'ils ont proposé un atelier Job Ready en fin de parcours aux candidats, NQT sur le volet mentorat, et puis surtout les jeunes, voilà, pour leur proposition. Voilà, tout à fait, nos quartiers du talent. Et donc les jeunes, par rapport à leurs idées et leurs solutions très inspirantes, et voilà, qui nous motivent en tout cas à continuer également ce type d'action. Merci Muriel Nicou, merci Monica Oukian. À vous tous qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous faire part de vos témoignages. Vous êtes très exactement, si j'en crois le compteur, 328 CFA et organismes de connexion, de formation à être connectés en ce moment. Alors on en vient maintenant au job dating. Des job dating appelés co-jobbing dans le langage d'Atlas pour à la fois favoriser le matching entre les jeunes et les entreprises et les CFA et puis aussi aider les jeunes. On a parlé des ateliers. On va évoquer ces opérations avec deux interlocutrices, Bérénice May. Donc, je rappelle votre fonction. Vous êtes responsable du développement et des partenariats à Article 1 et Céline Petit, responsable du service promotion des métiers à Atlas. Peut-être Bérénice May, pour démarrer, quelques mots sur Article 1, sur votre association et sur ce programme Job Ready. Oui, bonjour, merci de m'avoir conviée à cette table ronde. Donc, je suis Bérénice May, je suis responsable du développement et des partenariats du programme Job Ready de l'association Article 1. Article 1 est une association de lutte pour l'égalité des chances. Nous œuvrons aujourd'hui pour une société où l'orientation, la réussite dans les études et l'insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques ou culturelles. Nous accompagnons aujourd'hui plus de 150 000 jeunes issus de milieux modestes. Nous sommes plus de 100 salariés présents dans 9 régions et l'association s'appuie sur 3 programmes phares, dont Job Ready que je représente aujourd'hui. Voilà, et on va voir concrètement en quoi ça consiste. Alors, juste peut-être avant, Céline Petit, les co-jobbing, ils ont été lancés par Atlas en 2020, ils se sont poursuivis en 2021 avec déjà plusieurs opérations. C'est quoi le principe d'un co-jobbing ? Alors, le co-jobbing, c'est notre offre de service pour mettre en relation les candidats avec nos entreprises adhérentes qui ont des besoins en recrutement en alternance.
Cette année, on en a porté 3 à date, un en février, un en mai et un en juin. Et on a travaillé principalement en expérimentation pour améliorer le parcours client de nos différentes cibles, notamment du côté des entreprises où on a travaillé à les accompagner dans l'expression de leurs besoins et dans la rédaction des offres au travers d'ateliers qu'on a portés avec l'APEC. Du côté des CFA, on leur a donné plus de visibilité à nos offres pour qu'ils puissent sourcer le candidat idéal en fonction des offres qui sont disponibles. Et du côté des candidats, justement, on a travaillé à l'organisation d'ateliers pour leur permettre d'être plus performants et de préparer leurs entretiens. Avec le troisième code jobbing un peu particulier, celui de juin 2021, puisque là, c'était sur un secteur spécifique d'Atlas. Oui, tout à fait. Nos branches professionnelles ont souhaité expérimenter au travers d'une approche sectorielle qui portait du coup sur le numérique. Et nous avons proposé un code jobbing dédié au métier du numérique pour permettre aux entreprises du secteur qui ont de forts besoins de pouvoir trouver leur alternant. Alors c'est dans le cadre, Bérénice May, de ce co-jobbing de juin que vous avez animé des ateliers collectifs sur les soft skills dans le cadre de ce programme Job Ready, donc cofinancé par Atlas. C'est quoi l'ambition de ce focus sur les soft skills ? Alors, les soft skills sont devenus le second critère de recrutement après l'expérience. Plus de 60% des recruteurs aujourd'hui estiment que les soft skills sont plus importantes que les compétences techniques dans le choix final du candidat, donc au niveau de la constitution de la shortlist. Or, les jeunes ont une connaissance inexistante, voire extrêmement faible de cet enjeu, de ces notions, et se trouvent souvent complètement démunis en entretien lorsqu'il s'agit d'objectiver leur capacité d'adaptation, leur créativité, leur sens de leur organisation. Il est extrêmement difficile pour les jeunes aujourd'hui d'être en capacité d'identifier dans leur parcours de vie les soft skills qu'ils ont pu développer, et encore plus difficile de savoir bien en parler en entretien. Donc l'enjeu avec Opcol Atlas et ces sessions de co-jobbing, c'était de les préparer, de booster leur candidature et de leur permettre de révéler toute la richesse de leur talent. Alors précisément, on va être concret, il y avait ce double problème. À la fois, les jeunes ne savent pas vraiment ce que veut dire souvent soft skills, et en même temps, ils ne savent pas identifier dans leur propre parcours. Quelques exemples, je sais que vous en avez plein, de soft skills qu'on peut développer sans toujours être conscient que ce sont des compétences importantes pour une carrière professionnelle. Oui, par exemple, quand on est... quelques exemples concrets de jeunes. Je discutais hier, par exemple, avec un jeune qui me disait qu'il n'avait rien à mettre en avant. Et néanmoins, il est entraîneur d'une petite équipe de poussins, donc au basket. Il a forcément développé des compétences d'influence, de responsabilité, de leadership positif. Et il n'en avait absolument pas conscience. Et surtout, ne savait pas mettre des mots sur ses compétences. Donc voilà, un exemple très concret. Voilà, l'aîné d'une fratrie. Oui, c'est ça, pareil. Enfin, voilà, finalement, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Hein. L'aîné d'une fratrie qui fait les devoirs pour ses petits frères et ses petites sœurs a forcément développé des compétences de pédagogie. Et c'est des choses qu'on n'identifie pas dans son parcours de vie. Quand on est jeune, on ne sait absolument pas le valoriser. Et on n'ose surtout pas en parler en entretien ou utiliser ces exemples-là pour venir appuyer un discours d'entretien d'embauche. Les ateliers duraient 1h30. Quelques mots sur le contenu. Oui, alors le contenu des ateliers, l'objectif, comprendre le vocabulaire et les notions liées aux soft skills, identifier dans son parcours de vie, donc job étudiant, passion, expérience professionnelle, engagement bénévole, engagement sportif, artistique, les compétences qu'on a pu acquérir. Monter sur la plateforme Job Ready, en fait, qui est l'outil qu'on a développé et qui permet de rentrer tout type d'expérience et de les traduire automatiquement en compétences acquises. Et puis surtout, comprendre le vocabulaire des recruteurs, les enjeux du recruteur, lire leurs attentes en phase d'entretien concernant cette thématique spécifique. À l'issue de l'atelier, quels indicateurs de satisfaction avez-vous recueillis, avez-vous établi ? Alors déjà, on note que plus de 80% des candidats et des alternants ont déclaré qu'ils avaient une connaissance quasi nulle, faible, très modeste de ces notions-là. Plus de 71% d'entre eux déclarent que ce sont des notions qui n'ont jamais été abordées dans leur parcours antérieur. Donc une nouveauté, un vrai apprentissage
pour le coup. Et puis, une statistique intéressante sur l'accompagnement à l'insertion professionnelle, plus de 71% entre eux se sentent plus en confiance et ont une meilleure estime d'eux pour aller justement évoquer ces fameuses expériences un peu extra-professionnelles qui viennent justifier les compétences transversales acquises. Avec des verbatims, m'avez-vous dit en préparant d'ailleurs, qui témoignent de cette satisfaction. Céline Petit, au global, quels sont les résultats pour les trois opérations de co-jobbing du premier semestre 2021? Alors les résultats, vous allez les voir s'afficher sur votre écran, ils sont assez positifs, ils varient d'un co-jobbing à l'autre, mais là on va vous les montrer au global. Donc sur nos trois événements, on a recueilli plus de 600 offres de nos entreprises qui ont engendré une forte mobilisation du côté des candidats, puisqu'on a eu plus de 1700 entretiens réalisés en visio. Autre chiffre intéressant, c'est le chiffre du nombre de CV qui est téléchargé, puisqu'il est assez significatif et il démontre bien la prise en main de l'outil par nos entreprises, puisque au-delà de faire les entretiens en visio, elles ont également téléchargé des CV et poursuivi leur process de recrutement en dehors de notre plateforme. Et on voit apparaître effectivement quelques autres chiffres clés sur ces trois opérations. Il y avait une autre nouveauté cette année, c'était une expérimentation de co-jobbing au bénéfice de deux CFA. Expliquez-nous. Tout à fait. Toujours dans cette logique d'expérimentation et de pouvoir aller plus loin au travers de nos co-jobbing, nos partenaires sociaux ont souhaité tester un partenariat avec deux CFA pour travailler sur une expérimentation en termes de secteur d'activité, de développement de formation et également sur les territoires. Du coup, on a travaillé conjointement avec deux CFA pour créer ces événements et répondre du coup aux besoins spécifiques de nos entreprises. Encore un mot sur les projets pour les prochains mois. Dans les prochains mois, on va continuer à expérimenter sur nos co-jobbing. Notre objectif, c'est vraiment de proposer un outil clé en main, une offre de service à nos entreprises qui leur permette de travailler de A à Z sur le recrutement de leurs alternants. Et on va également faire une connexion entre nos co-jobbing et les sites jeunes pour donner plus de visibilité à nos offres auprès de cette cible qui est déjà intéressée par ces secteurs d'activité puisqu'elle visite nos sites. Alors, j'ai une question pour vous, Bérénice May, d'un de nos internautes, auditeurs, téléspectateurs. Est-ce que JobReady s'adresse uniquement à un public jeune ou bien également à des personnes plus âgées en reconversion professionnelle? Alors, on estime aujourd'hui que l'interface, parce qu'elle est ludique, elle est plutôt ciblée sur une expérience utilisateur d'un public jeune. On adresse généralement, on parle de 16-30 ans, donc on est large, mais en fait on remarque effectivement que... Vous êtes calé sur les contrats, hein. Oui, on est calé sur les contrats, donc ça c'est la public cible, mais on remarque effectivement que la plateforme étant ouverte à tous, qu'énormément de personnes beaucoup plus expérimentées viennent tester et ça fonctionne tout à fait. Ils peuvent se servir de vos outils sans forcément être inscrits dans le cadre d'un programme. Hein. Oui. Alors, on a vu un certain nombre d'outils justement pour promouvoir l'alternance, les métiers, et il y en a un autre, ce sont les sites de filières, les sites à destination des jeunes précisément, et on va le voir tout de suite. Céline Petit, quatre sites correspondant aux quatre filières d'Atlas. Sur quelle base ces sites sont-ils conçus? Quelle est leur ambition? Alors, l'ambition de ces sites Internet, c'est de créer un écosystème digital qui va nous permettre de présenter les métiers qu'on a au sein de nos branches professionnelles et de nos secteurs d'activité. La vocation, c'est de devenir une référence auprès des jeunes sur ces problématiques, puisqu'on est vraiment expert sur ces secteurs d'activité. On a réfléchi pour proposer, en fait, dans cet écosystème, des sites qui ont une ergonomie et une structure commune et un design proche pour permettre une navigation assez fluide de nos cibles et une meilleure compréhension. Quels sont aujourd'hui les sites qui sont opérationnels, les sites qui vont l'être prochainement? Où en êtes-vous? Alors, du côté des sites opérationnels, le premier site, c'est Concepteur d'Avenir, qui existe depuis mai 2017. Donc forcément, il est en ligne. Il a suivi une petite refonte avec un nouveau design pour améliorer l'ergonomie. Et donc, la nouvelle version va être disponible dans les prochains jours. On a le site J'assure, qui est dédié au métier de l'assurance, qui est sorti en janvier. Le site Je compte, dédié au métier de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. Et très prochainement... Pareil, normalement la semaine prochaine, on va commencer à communiquer sur le site J'investis l'avenir qui est dédié au métier de la banque et de la finance. Et je vous propose de découvrir une petite vidéo de présentation.
La plupart des sites sont récents, on vient de le voir, mais le site Concepteur d'Avenir, lui, il a été créé il y a 4 ans, il vient d'être repensé. Quel public draine-t-il sur la durée ? Alors, si on s'attarde sur les chiffres 2020, on avait environ 500 000 visiteurs. Pour ce début d'année, je vous propose de découvrir les chiffres. Donc, on est à 290 000 pages vues depuis le mois de janvier et plus de 310 000 vidéos consultées, regardées sur la chaîne YouTube. Parce qu'il faut savoir que ces sites Internet, ils sont tous accompagnés d'une chaîne YouTube où on va pouvoir découvrir tous les témoignages des professionnels. Je vais juste rajouter qu'on a une campagne de communication qui va se lancer très prochainement, une grande campagne de communication pour donner de la visibilité au site. Du coup, je vous invite tous à partager ces éléments auprès de vos jeunes, de vos étudiants, pour qu'ils puissent prendre en main ces outils. Alors, on va entrer un peu dans les fonctionnalités des sites avec des exemples d'outils proposés qui peuvent à la fois servir d'ailleurs aux jeunes, aux CFA, comme aux entreprises. Alors, on va faire le focus sur 3 outils, même s'il y en a, il y a énormément de fonctionnalités et d'outils, mais on ne peut pas tous les voir. Donc, le premier outil, ce sont les fiches métiers. On a référencé sur chacun des sites une liste de métiers propres à chacun des secteurs d'activité. Et pour chacun de ces métiers, on a construit des fiches métiers qui permettent de les présenter pour avoir une meilleure compréhension de nos cibles. Donc, on va venir présenter les missions, les qualités à avoir, les compétences nécessaires, la formation qu'il faut suivre pour rejoindre ces métiers. On a également les évolutions qui sont possibles, qu'est-ce que je peux faire avant et vers quel métier je peux m'orienter. Et on vient les illustrer également au travers de témoignages de professionnels, parce qu'on sait que c'est important de pouvoir avoir des témoignages concrets qui viennent illustrer le quotidien des professionnels. Le deuxième outil, ce sont les ressources documentaires, où là, on retrouve cette rubrique dans la partie infos et outils, et on vient implémenter toutes les vidéos, tous les outils de promotion des métiers qui sont réalisés avec les partenaires sociaux, donc des vidéos, des podcasts, mais aussi des kits pédagogiques et des magazines et des plaquettes qui peuvent être utilisées en fait, pour parler concrètement à nos cibles de nos métiers. Et enfin, on a l'annuaire des formations, qui est un outil d'aide à la décision pour nos cibles jeunes, puisque du coup, en choisissant un métier et une zone géographique, ils vont avoir accès à la liste des formations qu'il est possible de rejoindre. Donc cet outil, c'est une première version, il va être amené à évoluer, et on aura notamment prochainement plus de filtres pour permettre à ces jeunes de découvrir toutes les formations. Alors, précisément, ça c'est une perspective. En quelques mots, question rapide, réponse rapide, quelles une ou deux évolutions à venir ? Alors, les évolutions à venir, elles vont être principalement avec l'alimentation de contenu. On va venir déposer toutes les informations qui sont réalisées dans le cadre des actions de promotion métier. On va également, comme je le disais tout à l'heure, faire une connexion avec nos co-jobbing pour afficher des offres d'entreprise et plein de nouveaux quiz et autres outils interactifs pour une meilleure prise en main de nos cibles. Merci beaucoup, merci à toutes et tous pour ce premier thème consacré à la promotion de l'alternance. On va à présent évoquer les nouveautés en matière de simplification, de digitalisation et de data alternance. Deuxième temps fort consacré aux nouveaux services proposés au CFA avec 4 intervenants. À distance tout d'abord, Riyad Ben Ghanem, qui est directeur du CFA Insta. Est-ce que vous nous entendez bien ? Bonjour. Oui, bonjour. Trois intervenants, donc Mathieu Carrier, qui est directeur ingénierie et innovation. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Philippe Pruneau, qui est directeur des systèmes d'information et du digital. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Rivier, directeur de la transformation d'Atlas. Bonjour. Bonjour. Nicolas Rivier, on va ouvrir avec vous cette première séquence par de nouveaux résultats issus de l'enquête flash menée auprès de 173 CFA. Les CFA étaient interrogés sur leurs enjeux prioritaires en matière de gestion et de relations à l'OPCO. Qu'ont-ils répondu ? Alors, sans surprise, hein, les réponses des CFA sont concentrées sur les préoccupations du contexte de mise en œuvre opérationnelle de la réforme et donc sur des préoccupations en premier lieu sur la stabilisation du modèle économique qui a été fortement perturbé par le passage au fonctionnement au coût par contrat et au coût contrat.
ce qui va de pair avec une deuxième préoccupation assez liée, qui est de savoir comment maintenir l'équilibre financier du CFA dans ces nouveaux environnements, ces nouvelles relations et ces nouvelles contraintes, y compris en termes de facturation et donc en termes de positionnement d'offres et en termes d'identification et de sourcing pour l'ensemble de ces offres. Le point qui vient assez rapidement ensuite, c'est la concrétisation, une fois que le modèle est défini, c'est la liaison avec les OPCO et cette nouvelle relation qui s'est mise en place, notamment sur tout ce qui est les démarches administratives qui permettent d'accompagner le dépôt et la prise en charge financière de ces contrats. Et on y reviendra sur ce point assez central qui permet de libérer les énergies. Et le quatrième point qui, lui, est plus axé sur l'accompagnement des maîtres d'apprentissage dans leurs fonctions, sachant que par rapport à ça, les CFA font beaucoup d'efforts. Il y a un certain nombre de projets aujourd'hui qui peuvent être soutenus pour faciliter cette relation. Et nous sommes évidemment partenaires par rapport à ça sur un certain nombre de modalités pour lesquelles on peut faciliter leur formation et leur action en termes de maîtres d'apprentissage. On va faire un focus plus précisément sur les attentes en matière de simplification. On va voir ça tout de suite avec nos intervenants. Premier chantier, Nicolas Rivier, c'est le simulateur de coûts pour permettre aux entreprises, voire aux CFA, qui remplissent pour le compte des entreprises, d'évaluer le reste à charge des contrats, qu'il s'agisse des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Et c'est un simulateur qui prend à la fois en compte les coûts pédagogiques, mais aussi les coûts salariaux, et pas les minima légaux, mais les minima de branche. La précision a son importance. Oui, tout à fait. Dans l'effort qu'on souhaite mener pour accompagner le passage à la contractualisation, il y a un point important qui est à lever pour les entreprises, c'est la bonne maîtrise de quel va être le coût pour l'entreprise du recours à un contrat d'alternance. Et par rapport à ça, indépendamment des mesures qui sont aujourd'hui prolongées et qui permettent de réduire ce coût en termes de rémunération, il est important d'avoir une bonne compréhension dès le départ. On avait commencé à travailler sur ce sujet avec un premier simulateur qui portait uniquement sur les niveaux de prise en charge par typologie de certification. Et donc là, on travaille effectivement sur un simulateur qui permet d'engager la relation sur des bases claires sur à la fois le coût pédagogique dans ces différentes composantes par rapport à un contrat donné, une certification donnée, par rapport à un type d'alternant défini en termes d'âge et par rapport aussi à une rémunération qui va être à prendre en compte. Et par rapport à ça, ça permet de clarifier les choses d'entrée. Alors, quand est-ce que ce simulateur sera mis en ligne? Où est-ce qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'on pourra le trouver? Voilà, on est en train de finir son développement en partenariat avec un autre OPCO. Et donc, il sera disponible à partir de la deuxième moitié d'octobre sur le site internet d'Atlas. Et il sera accessible donc directement à la fois pour les entreprises d'Atlas et aussi pour les CFA. Alors de nouveau, CFA et organismes de formation nous ont rejoints. Vous êtes 341 à être connectés et n'hésitez pas à relayer vos questions et vos commentaires sur l'application Livestorm. Deuxième chantier, Philippe Pruneau, il y a deux nouveaux services en ligne pour gérer les contrats d'apprentissage. L'un dédié aux entreprises, l'autre aux prestataires de formation. Alors pour les entreprises, il s'agit de MyAtlas Entreprises. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, MyAtlas Entreprises, c'est avant tout une expérience toute nouvelle qui a été repensée pour et avec des adhérents, avec des espaces simplifiés, quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct. Une gestion des établissements aussi revue pour avoir des saisies de SIRET beaucoup plus justes du premier coup. Une logique CERFA pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment à la réalité. Et puis la mise en place de nombreux contrôles de saisies pour éviter des allers-retours et faire juste du premier coup. Des exemples de points de contrôle justement automatiques? Alors typiquement, on va avoir des choses sur les points légaux comme l'âge de l'apprenti, la rémunération ou des incohérences qui peuvent être au niveau des dates de contrat, par exemple, qui pourraient être antérieures à la date de signature. Alors voilà pour MyAtlas Entreprises. Ensuite, pour les CFA et les organismes de formation, c'est MyAtlas Prestataire. Un site qui a été, des services en ligne qui ont été sensiblement améliorés depuis précisément le 16 août. Exactement, depuis le 16 août, donc c'est tout neuf, donc ça a été pareil, repensé, un parcours complètement repensé pour les organismes de formation et les CFA avec eux, parce qu'ils ont intégré la démarche avec nous. L'idée, c'est de suivre mieux les contrats dès qu'ils sont déposés par des adhérents, même s'ils ne sont pas encore en instruction chez nous, de déposer également des pièces beaucoup plus facilement, les associant directement à des contrats
ou à des factures. Et puis surtout, on avait aussi depuis un an maintenant la possibilité pour un CFA de transmettre un contrat d'apprentissage par délégation de l'adhérent et qui va être revu dans quelques semaines pour intégrer tous les contrôles, les mêmes contrôles que pour les adhérents. Maya Place Prestataire alors, est utilisée par tous les organismes de formation, tous les CFA, bien sûr pour l'apprentissage, mais pour tous les dispositifs de formation, beaucoup plus globalement. Comment est-ce qu'ils se sont appropriés ces nouveaux services ? Alors, ils se sont appropriés très rapidement ces nouveaux services parce que c'est la bonne période pour les utiliser. Donc, depuis quelques semaines, on a eu plus de 30 000 visiteurs différents côté OF et CFA, avec 4 000 visiteurs par jour. Mais en fait, si on prend l'ensemble des sites, on va être à jusqu'à des pointes à 100 000. Enfin, on a 100 000 utilisateurs différents depuis la mise en place et des pics à 12 500 visiteurs différents par jour. Nicolas Rivier, alors il y a du côté Atlas ce qui a été fait en matière de simplification et de digitalisation, et il y a également un travail inter-OPCO qui était piloté d'ailleurs par deux OPCO, Atlas et l'OPCOMMERCE, et qui a débouché sur un guide de gestion. De quoi s'agit-il ? Alors, très simplement, il est apparu nécessaire de rapprocher la compréhension entre les OPCO, les 11 OPCO pour s'aligner, et l'ensemble des CFA sur la déclinaison pratico-pratique des process de gestion au-delà du cadre réglementaire qui est maintenant bien approprié par tout le monde, sa traduction concrètement, quels sont les processus qu'on doit suivre. Et c'est l'ensemble de ces processus et du vocabulaire associé, défini précisément et en commun, qui a été formalisé dans le cadre de ce guide, qui a été construit en co-construction entre les 11 OPCO, les têtes de réseau des CFA et la DGEFP, et dont l'aboutissement est maintenant immédiat. Alors immédiat, c'est-à-dire il sera opérationnel quand ? Voilà, donc on a diffusé ce matin le guide aux têtes de réseau, et donc il va être publié d'ici la fin de la semaine sur le site du CFA DOC qui recense les outils inter-OPCO. Merci. Alors Philippe Pruneau, ce groupe de travail inter-OPCO a également planché sur un autre sujet assez essentiel pour les CFA, c'est une norme informatique des API qui permettra aux CFA de transmettre leurs dossiers, leurs contrats, via leurs propres systèmes d'information, sans avoir à passer par les systèmes d'information des OPCO. Oui, tout à fait. En fait, c'est une norme qui a été écrite conjointement entre les OPCO et des CFA. L'idée, c'est effectivement de pouvoir faire parler les systèmes d'information entre eux sans avoir à ressaisir un contrat. Donc j'ai envie de dire, c'est comme avant, sauf qu'au lieu de ressaisir, on appuie sur un bouton dans le système d'information du CFA et automatiquement le contrat va être transmis. Bien sûr, il y a des choses à développer du côté du CFA pour mettre en place cet échange. Et puis il faut bien préciser aussi que c'est quelque chose qui vient non pas se substituer aux outils déjà en place qu'on a décrits juste avant, mais qui vient bien enrichir la gamme qu'on met à disposition des CFA. Cette norme, elle est d'ores et déjà opérationnelle à disposition des CFA qui souhaitent s'y raccrocher ? Alors la norme, elle est décrite, elle est effectivement accessible en ligne. On peut la voir pour la mettre en place et elle sera effective en fonctionnement d'ici quelques jours pour les contrats et d'ici quelques semaines, deux ou trois semaines sur les factures, sur la transmission des factures, parce qu'on va pouvoir transmettre des contrats mais également des factures. Troisième chantier, Nicolas Rivier, l'amélioration du traitement des contrats par Atlas une fois qu'ils ont été transmis par l'entreprise. Oui, alors par rapport à l'année dernière où on a connu une forte activité, on a eu une charge importante, on a mis en place pas mal de mesures pour justement améliorer et fluidifier ce traitement. La première d'entre elles, effectivement, c'est la qualification de la donnée à l'entrée, puisqu'on avait beaucoup, on a besoin d'avoir des documents, des CERFA, des conventions qui soient le plus complètes possible pour être le mieux traité. Donc ça, c'était le gros effort en amont qu'a décrit Philippe, sur lequel on travaille toujours. L'autre élément, c'est d'entrer aussi sur l'automatisation, notamment sur le chiffrage des contrats, puisque par rapport à ça, les règles sont maintenant bien détaillées. Et donc, pour éviter là aussi des différences éventuelles, on a maintenant un système de chiffrage automatique qui a l'avantage de garantir que tout le monde est traité de la même façon et qui a aussi l'avantage de générer directement un échéancier de facturation et donc de paiement qu'on communique directement au CFA, ce qui permet de faciliter la relation puisqu'on partage les mêmes informations. Et entre ce que l'OPCO attend et ce que le CFA va pouvoir envoyer, cette correspondance est gage d'un traitement plus rapide.
Ces évolutions, Nicolas Rivière, ont quelle incidence sur les délais de traitement? On rappelle que la loi fixe 20 jours aux OPCO pour traiter et déposer un dossier sur la plateforme DECA. Alors, on mesure aujourd'hui le gain hein, par rapport à ces différentes mesures, puisque sur l'organisation globale, l'ensemble des OPCO l'année dernière avait été mis un peu à rude épreuve avec cette forte poussée sur l'apprentissage. Et cette année, grâce à cette qualification de données, à l'amélioration des process et à l'organisation aussi de renforts nombreux et pris assez tôt, malgré une forte hausse de l'arrivée des contrats très tôt, encore plus tôt cette année, on a réussi à maîtriser nos délais, puisqu'on est aujourd'hui sur un délai de 19 jours entre la réception et la décision depuis le mois de juin, ce qui est qualitatif dans la mesure où dans ces 19 jours sont comptés aussi des contrats pour lesquels on fait des relances aux entreprises ou aux CFA et pour lesquels donc, les délais s'allongent. Donc par rapport à ça, sur le délai qui est prévu légalement des 20 jours sur un dossier complet et conforme, on est aujourd'hui en situation de maîtrise de nos délais. Voilà. Donc 19 jours, effectivement, c'est une moyenne pour des dossiers complets, ça peut être moins. Ceci dit, on est en septembre, c'est un pic d'activité, il y a énormément de contrats qui arrivent. Alors, quelle est la situation à date? Alors, la tendance bon, qui est assez générale, on a pu le partager avec d'autres, c'est sur voilà, une arrivée importante. Et en tout cas, depuis la dernière semaine d'août, on voit une très forte poussée de l'arrivée des contrats. On est effectivement à plus de 1500 par jour, on a reçu plus de 7000 contrats en une semaine. Et on sait qu'à partir de là, si le flux se maintient à ce niveau-là, ça va nous amener effectivement à élargir un petit peu nos délais. Mais en tout cas, pour l'instant, on arrive à maîtriser les choses et on fait en sorte que malgré le flux de demandes, on traite vraiment au plus tôt. Alors j'ai deux questions à vous relayer. Je lis sur ma tablette les questions posées par des responsables de CFA ou d'organismes de formation. La première, est-ce que les CFA pourront déposer pour les entreprises avec leur accord le CERFA et la convention directement sur MyAtlas Prestataire? Alors, je vais répondre. Ils pourront le faire et ils devront le faire, puisqu'effectivement, il faut les deux éléments. Et c'est tout à fait l'ergonomie qui est prévue. Alors, on avait déjà une interface qui le permettait, mais qui est moins aboutie que ce qu'on propose aujourd'hui aux entreprises. Et ce qu'évoquait Philippe, effectivement, ils pourront le faire totalement sur notre espace aussi. Autre question pour Philippe Pruneau concernant la plateforme MyAtlas Prestataire qui a évolué donc depuis le 16 août. Un tutoriel d'utilisation est-il disponible? Alors sur la plateforme, en fait, on peut trouver quand on se connecte la première fois ou même les fois d'après un petit tutoriel. En fait, c'est présente sous la forme d'un petit clignotant rouge. Et en fait, en naviguant, en suivant ce petit clignotant rouge, il va nous préciser comment utiliser la plateforme tout au long de toute la démarche en fait, d'utilisation. Alors, merci pour ces éléments. Quatrième chantier d'évolution, ce sont les nombreux échanges des OPCO avec le ministère, la DGEFP, pour accélérer le traitement des contrats et le versement des aides par l'agence de services et de paiement. Là-dessus, est-ce qu'il y a eu des avancées, Nicolas Rivière? Alors, par rapport à la situation qui a été rencontrée l'année dernière, qui a été souvent douloureuse pour pas mal d'entreprises sur les délais de versement de cette aide, il y a eu une volonté vraiment de remettre les choses à plat. Il y a un audit qui a été commandité par la DGEFP, auquel les OPCO ont pris part, ainsi que l'ASP et des CFA également, pour maîtriser l'ensemble de la chaîne. Et par rapport à ça, ça a permis déjà d'identifier d'abord le principal problème qui portait sur la gestion des sirettes d'établissement qui pouvaient générer des blocages. Et donc par rapport à ça, ce qui est représenté presque 50% des anomalies, il y a un travail qui a été réalisé et l'ensemble des OPCO s'est engagé sur des contrôles supplémentaires qui vont au-delà effectivement des points de contrôle réglementaires, ce qui a déjà permis d'améliorer les choses. C'est le retour qu'on a aujourd'hui de l'ASP. Parallèlement, il y a des contrôles complémentaires qui vont émettre dans l'interface DECA, donc ce qui permettra que lorsqu'on dépose les contrats, s'il y a aussi là des anomalies, elles nous seront remontées et on pourra les corriger avant que le traitement soit réalisé à l'ASP, donc ce qui fera gagner du temps et ce sera à l'initiative directement de l'OPCO. Et
sur ce traitement prioritaire, on est déjà très engagé. Le deuxième élément, c'est que ça a permis d'identifier l'ensemble des autres facteurs de risque, on va dire, de blocage, et qui vont être formalisés sous la forme d'un guide qui sera publié, a priori, vers la fin du mois de septembre, et donc qui permettra de communiquer à l'ensemble des acteurs, entreprises et bien évidemment CFA, qui sont très sollicités aussi pour l'explicitation des conditions de cette offre et quand elles n'arrivent pas sur les difficultés qu'il faut lever. Et donc, ça permettra de partager les choses. Cinquième et dernier chantier de simplification, ça concerne la facturation avec des procédures automatisées. On va retrouver à distance Riyad Ben Ghanem, directeur du CFA Insta. Vous avez participé à la phase d'expérimentation avec Atlas sur ces simplifications. Quelques mots tout d'abord sur votre CFA pour le situer, quelques chiffres clés. Oui, bonjour. L'Insta s'est créé en 1997. Donc, on est basé à Paris 5e. Donc, on dispose de près de 400 alternants en informatique. L'apprentissage donc, là, est présente presque 95% des alternants. Et nous sommes on dispose d'à peu près 20 formateurs. Oui, Atlas, donc là, Riyad Ben Ghanem, il faut que vous parliez un petit peu plus fort parce qu'on vous entend un peu en sourdine. Vous avez participé, d'accord. Alors on a entendu hein, les chiffres clés effectivement de votre CFA. Vous avez été sollicité à plusieurs reprises par Atlas pour évoquer les principales problématiques de facturation. Quelles sont les deux, trois principales difficultés que vous pouvez rencontrer, que vous pouviez rencontrer, je suis tenté de dire. Donc, pour les facturations, donc, lorsqu'on met des factures, donc, là, il y a donc, un montant à mettre selon un échéancier. Donc, parfois, donc, là, comme l'apprentissage, donc, il y a donc, là, des pourcentages donc, qui sont donc, là, prédéfinis au début. Donc, là, il y avait donc, là, des montants un peu erronés, il y en avait des soucis, donc, pas mal de rejets de factures. Oui, c'est ça. Donc, des montants qui ne correspondaient pas toujours entre le CFA et l'OPCO. Et puis, parfois, des cas particuliers, on sait, il y en a beaucoup, le contrat est plus court, c'est un cas particulier, ça veut dire que les montants ne sont pas les mêmes. Ça peut générer certaines difficultés et retards de facturation. Philippe Pruneau, du coup, quel est l'aboutissement de ce travail en commun avec quelques CFA ? Bien, aujourd'hui, maintenant, on a plusieurs façons de déposer des factures chez nous. Donc, la solution historique qui est de finalement mettre une facture, qu'elle soit lue automatiquement, on complète, on envoie, mais qui demande côté OPCO Atlas de nombreux contrôles. Et parallèlement à ça, tout nouveau, cette fille pro forma, en fait, qui permet de payer plus rapidement parce qu'il y a moins de contrôles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on co-construit la facture avec le CFA. Comment ? Eh bien, je suis un CFA, je remplis un caddie jusqu'à 25 échéances que je vais choisir, qu'on va me proposer, qui sont éligibles. Dessus, je vais y ajouter les frais annexes, je valide, je rajoute mon numéro de facture et j'envoie. Pour les certificats de réalisation, on le sait, hein, ils sont obligatoires pour percevoir les versements à partir du deuxième acompte. Vous avez également simplifié les procédures. Tout à fait, parce qu'effectivement, sur la première échéance, il n'y avait pas de sujet, puisque ça pouvait passer tout seul. Et du coup, l'idée, c'était de mettre en place la génération de la même manière que la facture du certificat de réalisation. Et du coup, la vérification se fait beaucoup plus vite de notre côté. Bien sûr, à condition que nous détenions déjà le RIB du CFA. Les factures sont émises plus rapidement, du coup. Combien est-ce que vous en recevez en volume ? Alors, depuis le début de l'année, on est à 75 000 factures transmises de manière classique. On a 22 000 encore factures qui nous sont arrivées par courrier depuis le début de l'année. Je dis bien depuis le début de l'année, parce qu'on est vraiment encore presque au début de l'année, j'ai envie de dire, par rapport à l'activité. Et puis, 7 000 factures qui nous sont arrivées déjà avec ce nouvel outil de génération par le CFA de factures. Riyad Ben Ghanem, comment est-ce que vous utilisez ces nouvelles fonctionnalités ? Qu'est-ce que ça change pour vous, pour votre CFA ? Donc, l'utilisation, c'est on se connecte sur le système, on choisit l'échéancier et les contrats d'acquisition qu'on veut facturer. Après, on met tout ça dans un caddie. Donc là, on envoie donc, là, tout ça, donc, là, le système nous sort. Un prêt format nous donne la main aussi donc là, pour facturer des frais annexes si on le souhaite. Donc, dès qu'on valide, on fait la facture interne. Donc là, on met la facture, le numéro de la facture.
Mais qu'est-ce que ça, en fait, qu'est-ce que ça change pour vous, les nouvelles procédures voilà, on a décrit les différentes étapes. Maintenant, on gagne beaucoup de temps. Donc là, au lieu de chercher de calculer les géomissions financières, on a tout sur le système. La facture est émise donc là, sans erreur. Donc l'agent de Coatlas n'a plus, donc là, il n'y a plus de contrôle. Donc là, les factures sont émises exactement donc là, ce que la place attend, et normalement donc le paiement est fait donc là dans un très bref délai de temps. Merci. Tout dernier mot, Philippe Pruneau. Quelles sont les autres évolutions, les prochaines évolutions attendues ? Alors, on l'a vu, une principale, la clé de voûte, on voit bien que ce sont les échéanciers hein, dans ces sujets de facturation. Donc, des travaux, notamment, pour faciliter tout ce qui touche ces échéanciers, comme par exemple la déclaration de rupture sur des contrats ou des choses comme ça. Après la simplification des process, la digitalisation, on va voir quelles data peuvent être mises à la disposition des CFA et des organismes de formation. Mathieu Carrier, directeur ingénierie et innovation d'Atlas. Alors, Atlas dispose de nombreuses données qui ne sont pas toujours connues. Un petit rappel pour commencer sur le profil socio-démographique des salariés, parce qu'il présente plusieurs spécificités. Oui, nous avons la chance d'avoir finalisé récemment notre premier portrait statistique de l'OPCO, qui sera accessible à tous à partir du mois d'octobre. Et les résultats sont assez éloquents. Donc, pour rappel, un Atlas, près de 120 000 entreprises, 1,8 million de salariés couverts. Les chiffres qu'on connaît moins, par contre, c'est 1 milliard de dépenses de formation, 300 000 personnes accompagnées sur ces sujets de la formation et de l'alternance. Et ce qui nous caractérise, c'est la population de cadres, puisque nous avons 54% de cadres parmi les salariés couverts, et également la proportion du supérieur au niveau de l'alternance, puisque nous avons 99% de nos contrats qui relèvent du supérieur. Alors, à propos des cadres, il y a des perspectives d'emploi très positives sur le périmètre d'Atlas, et ça, on le sait, grâce à une étude de l'APEC de juin 2021, qui a fait une répartition des perspectives de recrutement par OPCO. Tout à fait. L'APEC nous a gratifié d'une étude fort intéressante qui projette des chiffres à hauteur de 247 000 recrutements de cadres prévus sur l'année 2021. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que près d'un cadre sur deux est couvert par les secteurs d'Atlas. Oui, et on voit apparaître à l'écran effectivement ces chiffres-là. Dans le cadre d'une étude interne commanditée par Atlas, cette fois l'année dernière, vous avez recensé sur toute l'année 2020 les métiers, les compétences les plus recherchées. Quels sont-ils ? Alors, on a eu quelques surprises, mais finalement, quand on y réfléchit, ce n'est pas forcément si étonnant que ça, puisqu'en volume, les premiers métiers qui sont recensés, qui sont recrutés, sont les métiers sur des fonctions transverses, la comptabilité, la paye, les chefs de projet. Deuxième axe, c'est le développement commercial, notamment dans une logique de relance après la crise qu'on a connue avec le Covid. Et troisième axe, c'est toujours un développement constant du numérique, notamment avec une tension toujours assez forte sur la question des développeurs. Donc, principaux métiers, principales compétences. En matière d'offres de formation, cette fois, quels sont les principaux résultats de l'étude ? Alors, nous avons analysé les 70 000 contrats que nous avons financés en 2020. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a les deux tiers de ces contrats qui relèvent de quatre domaines de formation : le numérique, le développement commercial, la comptabilité et la gestion, et la banque-finance. Il y a une autre information intéressante pour les CFA, c'est l'offre de formation qui est d'ores et déjà éligible à l'apprentissage, et ça témoigne du coup de celle qui ne l'est pas encore et du potentiel de développement. Oui, tout à fait. Nous avons essayé de recenser l'ensemble des certifications qui conduisent du coup au métier couvert par Atlas. On en a recensé 23 700. Et parmi ces formations-là, il y a uniquement 37% de ces formations qui sont aujourd'hui proposées en alternance, ce qui laisse de la marge de manœuvre pour le développement sur les prochaines années. Oui, et on voit apparaître effectivement sur les six principaux secteurs d'études quelle est la part qui est d'ores et déjà éligible par la voie de l'apprentissage. Vous travaillez sur une cartographie globale de l'offre de formation en alternance. Comment est-ce qu'elle va fonctionner ? Alors, ça a été évoqué par ma collègue Céline Petit précédemment, mais effectivement, notre souhait, c'est de faire le lien entre les métiers, les certifications qui conduisent à ces métiers et l'offre de formation, donc les CFA derrière qui proposent ces certifications. Donc, on a accès à des données extrêmement riches de la part de nos partenaires. Et l'idée, c'est de croiser l'ensemble de ces informations pour pouvoir donner accès facilement aux entreprises, aux candidats à l'alternance, cette information-là. Ils rentrent un métier, ils ont la possibilité de repérer les CFA qui sont situés à proximité d'eux et pour pouvoir avoir du coup une mise en relation.
pour pouvoir engager un projet en alternance. À quel horizon est-ce que cette cartographie globale devrait être opérationnelle ? Alors, elle est déjà opérationnelle sur les sites des filières sur la promotion des métiers, comme ça a été évoqué par Céline. Mais notre enjeu, c'est d'aller encore plus loin et d'affiner du coup ces résultats-là. Et d'ici la fin de l'année, ces éléments-là seront disponibles sur le site opco-atlas.fr. Concernant les alternants et les employeurs d'alternants, cette fois, quelques données clés. Oui, lorsqu'on regarde du coup la typologie du coup de nos alternants, ce qui frappe par rapport à l'ensemble des secteurs, c'est l'âge moyen de nos alternants qui se situe à 22 ans, qui est relativement élevé par rapport à l'ensemble des secteurs. Et si on va un petit peu plus loin, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on a près d'un alternant sur deux qui prépare une certification de niveau Bac plus 5. Donc c'est plutôt original par rapport aux autres secteurs, aux autres OPCO. Et puis la situation, la particularité des entreprises et des employeurs, c'est qu'on a une forte représentation des employeurs en Ile-de-France. Là aussi, près d'un employeur qui embauche aujourd'hui un alternant se situe en Ile-de-France. Atlas mène en propre un certain nombre d'études ou relaie les études des observatoires de branche lorsqu'ils existent. Et ça contribue à faire évoluer à la fois les compétences et les formations. Quelques exemples concrets d'études. Oui, alors nous réalisons près de 30 études avec l'aide du coup des observatoires de branche. De manière très opérationnelle, en début d'année a été livrée pour le secteur de l'assistance une étude sur les compétences qui sont attendues en 2025 pour ce secteur. On y retrouve notamment l'évolution de la gestion de la relation client qui concerne nos quatre branches de l'assurance. L'Observatoire de la Banque a livré également une étude intéressante sur l'évolution de la fonction finance au sein du secteur bancaire. On est en train d'accompagner la branche des experts comptables sur les mutations qui sont en cours au sein de leur métier. Et concernant les bureaux d'études, il y a une étude fort intéressante qui a été livrée en début d'année pour mesurer l'impact du Covid et la façon dont du coup, les entreprises et les bureaux d'études en particulier font évoluer leur activité pour se remettre de la crise qu'on a tous rencontrée. Si on veut aller un petit peu plus loin, où est-ce qu'on peut trouver ces études ? Alors, ces études sont disponibles sur les sites des observatoires qui sont relayés sur notre site opcoatlas.fr. Et nous allons travailler au cours des prochaines semaines pour essayer de mettre plus en visibilité ces études avec un accès direct et une description synthétique du coup, de chacune de ces études. Une illustration peut-être, Mathieu Carrier, d'une étude qui a eu un impact sur la stratégie alternance de l'OPCO, de ses branches. Oui, nous avons réalisé une grande étude sur la question de l'apprentissage l'année dernière avec des résultats très intéressants. Parmi les axes de développement, nous avons repéré que la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage n'était pas suffisamment mobilisée, ce qui n'a pas manqué de retenir l'attention de notre conseil d'administration qui a souhaité mettre en place un plan d'action significatif en la matière. Et des actions ont été conduites, ce qui nous a amené à livrer en septembre, ce mois-ci, du coup, une nouvelle offre de formation à destination des entreprises pour les tuteurs et les maîtres d'apprentissage. En parallèle, on a également travaillé avec la branche des bureaux d'études pour construire des certifications pour reconnaître du coup les compétences des tuteurs et des maîtres d'apprentissage via une évaluation qui se fait en ligne et qui permet d'obtenir une certification donc sur le site CCertif, un accès très simple, aisé et facilité pour reconnaître la compétence de ces acteurs majeurs de l'alternance. Une dernière petite question très rapide, si vous aviez une étude à citer dans les prochains mois qui peut être intéressante, pertinente pour les CFA et OF. Alors, on attend avec impatience une étude qui se lance aujourd'hui sur la question des métiers en tension. On a déjà repéré, on l'a évoqué, quelques métiers en tension fort intéressants, mais on est en train de travailler et affiner. Et cela aura des incidences fortes puisqu'on comptera sur nos partenaires formation pour développer les certifications et les formations qui nous permettront de pourvoir ces métiers dans les prochaines années. Et merci pour cette précision, puisqu'il y avait une question précisément qui demandait « Y a-t-il des données concernant les tensions éventuelles, difficultés à recruter en fonction des métiers et par zone géographique ?» Réponse dans quelques mois avec cette étude d'Atlas. Merci beaucoup à tous. Donc fin de ce deuxième temps fort sur la simplification et les data. Place au troisième temps fort consacré à l'innovation. Un troisième temps fort, donc avec quatre intervenants sur l'innovation, quatre intervenants qui sont présents sur le plateau. Mariam Katab, qui est directrice générale de Mosaïque RH. Bonjour. Bonjour. Saisissez-vous du micro. C'est chacun, mieux. Vous avez voilà votre micro. Alain Assouline, qui est président de WebForce 3. Bonjour. Bonjour. Solange Chaplard, qui est directrice branche et partenariat d'Atlas. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Chantal Buffet, qui est chef de projet réseau des CFA. Bonjour.
Bonjour Nicolas. On va démarrer cette séquence avec vous, Solange Chaplard, en continuant de découvrir les résultats de l'enquête qui a été menée auprès de 173 CFA. Au début de l'été, il y avait une question posée au CFA sur quelle est la part de distanciel dans vos formations. Quelles ont été leurs réponses ? Alors aujourd'hui, il y a 46% des CFA qui déclarent effectivement faire de la formation en blended learning. Et cette part, en fait, représente un peu plus de 10%, 13% des cours théoriques. Autre question posée au CFA, dans quelle proportion ont-ils diversifié leur offre au-delà de ce qu'ils font en apprentissage ? Donc, on voit bien, finalement, il y a pas mal d'enjeux. Depuis ces 5 dernières années, 3 CFA sur 5 ont diversifié l'offre, particulièrement sur des modules en formation professionnelle continue. Donc on voit bien leur agilité finalement à modulariser les parcours et les référentiels qu'ils ont actuellement pour pouvoir s'adapter finalement aux besoins quotidiens des salariés des entreprises qui composent nos branches. Enfin, Atlas a interrogé les CFA sur les contenus, les formateurs, les équipements. Quelles ont été les réponses en termes de priorité ? Alors, 4 enjeux prioritaires, donc vous les avez à l'écran. Donc en priorité, de recruter des enseignants, travailler à faire évoluer les modalités de formation. 3, adapter les contenus de formation aux besoins des entreprises. Et 4, adapter les locaux et équipements. Et sur ces 4 enjeux, on le rappelle, on va le dérouler pendant cet atelier. On va être fortement impliqué, en tout cas au nom de l'OPCO, sur 2 de ces enjeux forts. Alors, on va voir justement quelles sont les réponses qui sont apportées par l'OPCO, par ses partenaires, aux différentes attentes. Il y a notamment ce soutien financier à l'innovation et on va faire le point sur les appels à projets. Solange Chaplard, Atlas a lancé plusieurs appels à projets depuis 2020 déjà. Quelle est l'ambition ? On a tous vécu une crise sanitaire un peu sans précédent et finalement l'offre de formation s'est très vite adaptée et a souhaité proposer des solutions en distanciel. Donc effectivement, nous avons dès mai 2020, le conseil d'administration a acté dans le cadre du plan de relance ce soutien au CFA pour continuer à maintenir finalement cette dynamique et un besoin finalement qui s'est accéléré mais qui existait déjà pour adapter quelque part le mode de consommation de la formation aux utilisateurs d'aujourd'hui et aux besoins de nos branches. Chantal Buffet, quelles étaient les caractéristiques de ce premier appel à projet en 2020 ? Les caractéristiques du projet, eh bien, avaient été définies bien sûr par nos instances paritaires. Il fallait impérativement que les CFA soient représentatifs en fait pour Atlas et pour nos branches professionnelles. Donc il fallait impérativement qu'ils aient à minima 30% d'alternants. Il fallait que ce soit des projets qui soient déjà initialisés avant le 31 décembre. Ils pouvaient avoir été initialisés en fait au 1er janvier 2020, bien sûr, mais devait impérativement avoir lieu et débuter en 2020. Une première observation des résultats devait être faite également pour la rentrée 2021. Et puis surtout, il s'agissait en fait de financer et d'accompagner en fait des investissements de plus de 3 ans. Avec quel résultat sur cette première vague ? Alors, sur cette première vague, nous avons eu, comme vous le voyez à l'écran, 55 projets qui ont été présentés, en fait, à l'OPCO Atlas. Et 37 ont été présentés. Enfin, ces 55 projets ont été présentés aux commissions paritaires. Et les commissions paritaires ont défini 37 projets qui répondaient tout à fait, en fait, aux attentes du cahier des charges. Alors, parmi tous ces projets, on va faire un focus en images sur 4 lauréats sur des projets qui, depuis, ont pris forme. Club Business Game, c'est un business game digital à destination des apprentis de l'assurance qui permet de mettre en relation les apprentissages techniques et pratiques. Très concrètement, les alternants sont en situation réelle et ils vont être confrontés à toutes les solutions qu'on peut rencontrer dans une agence. Eh bien, ce projet s'appelle la digitalisation des enseignements transverses. Il consiste à mettre en œuvre cette digitalisation pour des enseignements de management, de sciences de gestion et communication pour des écoles d'ingénieurs.
Ce projet s'appelle Professeur Bob, pour trois raisons. La première des raisons est tout simplement l'immédiateté. Professeur Bob permet justement la mise en place d'un chatbot qui permet de répondre donc immédiatement aux besoins de l'apprenant. La deuxième raison, l'adaptative learning, qui consiste tout simplement à personnaliser le parcours de l'apprenant. Et la troisième raison, l'ancrage mémoriel, qui permet de revenir sur les points que l'apprenant aurait pu avoir des difficultés à appréhender. Notre projet consiste à créer un serious game pour la filière comptabilité, gestion, finance. Un serious game, en fait, c'est un jeu sérieux qui est utilisé dans les apprentissages et qui permet de manière interactive et ludique de mettre l'apprenant en situation réelle ou proche de la réalité. Voilà pour ces quatre lauréats. Chantal Buffet, en examinant les autres dossiers, quelles autres innovations pédagogiques peut-on trouver ? Alors, nous avions également fait des dématérialisations du livret d'apprentissage. Nous avions en fait la création de micro-capsules de formation au préalable à la formation traditionnelle. Et puis aussi l'installation de classes mobiles qui facilitaient en fait l'hybridation totale de la formation. Quel a été l'impact du soutien financier d'Atlas à ces différents projets ? Atlas a posé la question aux quatre lauréats qu'on a vus tout à l'heure et on découvre leurs réponses. Alors on gagne un cofinancement en fait et c'est le plus intéressant. Avoir des idées c'est assez facile, les mettre en œuvre c'est un peu plus compliqué et les mettre en œuvre sans financement c'est absolument impossible. Donc le partenariat avec Atlas nous a réellement permis d'avancer beaucoup plus vite sur ces projets. Pour nous, ça a été évidemment une très très belle surprise de faire partie des lauréats, surtout de voir que notre innovation pédagogique puisse être valorisée par l'OPCO Atlas et qui nous permette aussi de déployer de façon plus importante aussi ce projet et de façon plus rapide. Les perspectives d'avenir de ce projet qui a été déployé donc sur la rentrée 2020 pour une centaine d'apprentis au sein des arts et métiers, c'est maintenant de déployer sur la deuxième et troisième année de cette école d'ingénieurs, avec sur un court terme de le déployer sur les autres écoles partenaires du dispositif. Et à moyen terme, d'utiliser ces blocs de compétences vers une diversification d'activités sous un format de formation continue, vraisemblablement. Être lauréat est en fait une reconnaissance du travail que l'on fait au quotidien auprès de nos apprenants. D'une part, pour leur faire acquérir des compétences toujours actualisées pour une employabilité optimisée. Donc grâce à l'OPCO Atlas, nous allons mettre en place ce pilote dès la rentrée, ce qui nous permettra effectivement de pouvoir le généraliser potentiellement, de le déployer sur d'autres formations, toujours avec un seul objectif, mieux répondre aux besoins de nos alternants et mieux répondre à nos clients entreprises. Chantal Buffet, Atlas a lancé un deuxième appel à projet au printemps 2021 avec des conditions légèrement différentes par rapport au premier. Oui, les conditions, en fait, les critères pour les CFA avaient été quelque peu modifiés. En fait, nous étions passés à 20% d'alternants, en fait, représentatifs de la branche Atlas et à minima, en fait, 24 apprentis pour le CFA qui répondait. 24 apprentis, donc sur le périmètre d'Atlas, avec un prisme aussi handicap sur voilà, ce deuxième appel. Voilà, j'allais l'ajouter, effectivement, merci. Il s'agissait en fait de mettre en exergue la notion et la question du handicap dans chacun des dossiers. Alors, la commission paritaire s'est réunie mi-juin. Quels sont les résultats de cette saison 2 ? Alors, cette saison 2, nous avions effectivement 47 CFA, enfin 47 projets qui avaient été déposés et 24 projets ont été validés par la commission paritaire. Donc, au total, sur les deux appels à projets, nous avons quand même 61 projets lauréats qui ont commencé au titre des années 2020 et 2021. Et pour les projets de 2021, ils doivent impérativement en fait, se finaliser au 31 décembre 2021. Voilà, et on voit quelques chiffres effectivement qui s'affichent. Vous lancez aujourd'hui même, 9 septembre, un nouvel appel à projets. Alors, quel est l'objectif ? Quel est le calendrier ? Jusqu'à quand on peut candidater ?
Alors, l'objectif, eh bien, je vais vous simplement vous donner le titre. Hein. L'objectif, c'est mieux accompagner en fait l'apprenti pendant sa période de formation. Donc, on parle de l'avant, du pendant et de l'après. Les conditions, effectivement, on va mettre aujourd'hui en fait le cahier des charges à disposition en fait des CFA et ils pourront répondre en fait jusqu'aux octobre prochain. Merci Chantal Buffet. Un petit mot de conclusion sur cette partie-là, Solange Chaplard. Alors les OPCO ont différentes stratégies pour accompagner, soutenir les CFA financièrement. Vous, vous avez fait le choix d'inscrire ces appels à projets dans la durée avec donc un troisième appel à projet aujourd'hui. Pour quelle motivation, pour quelle raison ? Je pense que finalement, les quatre exemples que l'on a eus, on n'a pas pu tout montrer, c'est un petit peu dommage, mais ça montre la richesse finalement de ce que l'on peut apporter. C'est vraiment important pour nous et ça nous tient à cœur. On a des partenaires sociaux. On a cette chance d'avoir des partenaires sociaux très engagés avec nous pour accompagner l'offre de formation qui est un élément essentiel pour réussir l'alternance, qui est notre enjeu partagé, notre enjeu commun. Donc finalement, d'adapter quelque part tout l'outillage, toute l'offre de formation aux besoins de nos jeunes et de nos talents de demain. Alors l'innovation, on l'a vu, elle peut être pédagogique, mais elle peut aussi passer par un élargissement de l'offre, des entrées-sorties permanentes, un sourcing diversifié ou encore bien sûr des actions de sécurisation des parcours en amont ou pendant. Et on va évoquer cet aspect-là avec nos intervenants. On commence avec vous, Alain Assouline, président de Webforce 3. Quelques mots tout d'abord sur votre structure. Oui, donc Webforce 3, c'est un réseau d'organismes de formation qui est implanté dans une cinquantaine de territoires et qui, en ce moment, on a à peu près un millier de personnes, un peu plus d'un millier de personnes en formation. Et depuis la réforme, la moitié d'entre eux sont en alternance, en apprentissage. Les entrées-sorties permanentes, c'est un premier défi, c'est un défi qui est souvent cité. C'est en même temps un défi complexe pour les CFA parce que bon, il y a des dates de jury d'examen, etc., qui ne sont pas si nombreuses que ça. Quelles actions menez-vous en ce sens pour favoriser des entrées tout au long de l'année ? En fait, on a, en devenant organisme de formation en alternance, on n'a pas changé notre façon de travailler, celle que nous avions, celle que nous avons encore, avec des bootcamps de formation continue. Et donc, on a des sessions qui ouvrent à peu près tous les mois ou tous les deux mois, selon le type de formation. Et ça permet à la fois de permettre à des personnes de rentrer en formation au moment de leur vie qui leur correspond le mieux. Mais ça permet aussi de fluidifier les entrées en apprentissage dans l'entreprise. Solange Chaplard, de quelle manière Atlas peut appuyer les CFA et les organismes de formation pour essayer de lisser davantage les entrées sur l'année, ce qui n'a rien d'évident ? Effectivement, on ne l'a pas vu, mais dans l'enquête auprès des CFA, ça fait partie d'un enjeu fort aussi de se dire qu'il faut travailler sur ces entrées-sorties permanentes. Alain l'a précisé, ce n'est pas simple non plus pour tout le monde. Ça existe en partie sur le contrat de professionnalisation aujourd'hui. Je l'ai fait il y a un peu plus de 20 ans, pour être très honnête, je suis rentrée en novembre, donc ça existe. Ça permet aussi une agilité, quelque part, pour les entreprises qui ne se sentent pas non plus obligées de dire c'est à l'instant T, en septembre, et sinon j'ai raté effectivement ma période de recrutement. Donc, un, agilité pour l'entreprise, et deux, pour les jeunes et pour les talents qui, effectivement, pourront intégrer les entreprises tout au long de l'année. Après, c'est plutôt aux organismes de formation et CFA de travailler un peu plus encore sur cette agilité-là et à transformer un petit peu la modularité des parcours. Il y a un deuxième défi qui est l'élargissement de l'offre de formation. Alain Assouline, alors là aussi c'est compliqué parce qu'on sait bien qu'élaborer une nouvelle certification, ça prend beaucoup de temps, il faut être sûr d'avoir des candidats derrière. Vous avez plutôt opté pour une autre stratégie qui est de prendre des titres ou des diplômes existants et de les colorer. D'ajouter des modules complémentaires. En particulier, en fait, dans le numérique, puisque nous formons au métier du numérique, au métier en tension dans le numérique. Alors souvent, les métiers en tension dans le numérique, c'est justement des métiers où il y a eu des évolutions technologiques très rapides
et qui sont permanentes. L'innovation est permanente dans ce secteur. Les nouvelles technologies arrivent. Donc, ce qu'on a fait, en effet, c'est qu'on a pris des grands titres professionnels, développeurs web, développeurs d'applications, techniciens système et réseau, enfin, ces grands titres qui existent. Et à chaque fois, on est venu y mettre une coloration qui correspond à la demande des entreprises et aux besoins des entreprises. Quelquefois même, on interroge l'entreprise en amont de la création de ces formations, de façon à s'assurer, ce qu'on a fait par exemple avec Microsoft sur le low-code, no-code, qui est sur Business App, c'est que ça nous permet d'identifier les entreprises et de s'assurer de l'entrée en apprentissage avant même que la formation commence. Il y a une autre piste très intéressante, Solange Chaplard, toute récente, c'est la loi Avenir Professionnel qui a introduit cette piste-là. Ce sont les titres à finalité professionnelle à la main des branches. Alors jusque-là, il y a les CQP qui ne sont accessibles qu'en contrat de professionnalisation. Et désormais, c'est très peu connu. Il y a ces titres à finalité professionnelle qui peuvent permettre à des branches de prendre un référentiel de CQP, de le convertir en titre à finalité éligible aux aides à l'apprentissage. Pas mieux, oui, effectivement. Vous avez tout dit, Nicolas. C'est très émergent, effectivement. Donc, l'avant-dernière réforme avait mis vraiment le focus sur la certification à la main des partenaires sociaux, donc création de CQP, beaucoup. Donc, effectivement, il y a un travail possible de réécriture pour pouvoir s'adapter et finalement pouvoir le rendre éligible au contrat d'apprentissage. Mais on parlait aussi de modularité, le contrat de pro expérimental est aussi une solution pour pouvoir intégrer, parce que finalement, on voit bien que les CFA et organismes de formation se sont diversifiés, on travaille sur des modules, donc on peut imaginer aussi de s'adapter, de faire vraiment du sur-mesure pour qu'on puisse vraiment former en tant que de besoin en fonction du profil de l'alternant. Et contrat pro expérimental, en plus, sans être forcément rattaché à une certification, puisqu'il peut s'agir d'une qualification de branche professionnelle. Troisième chantier, en écho toujours, bien sûr, aux enjeux des branches professionnelles, c'est la diversification du sourcing. Et on va en parler avec vous tous. Et avec vous, Mariam Katab, DG de Mosaïque RH. Alors, peut-être quelques mots tout d'abord pour présenter votre structure. Alors, donc, Mosaïque RH, on existe depuis 13 ans maintenant. Donc, on travaille spécifiquement sur la question de la diversification des recrutements, du sourcing et de toute cette question de l'inclusion économique des talents qui sont notamment issus des territoires dits politiques de la ville. Donc, on est présent sur 5 territoires en France pour essayer de mailler un maximum. Et nous avons deux grands axes, on va dire, de travail. Un, c'est l'accompagnement des organisations, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, en tout genre, dans la mise en place de leur politique de diversité et d'inclusion. Donc, à travers du conseil stratégique, de la formation et du recrutement, bien sûr. Pour être précis, ces 5 territoires, vous pouvez nous les citer pour les CFA qui nous écoutent ? Nous sommes présents à Lille, nous sommes présents à Nantes, à Toulouse et à Lyon. Voilà, et bien sûr, en Ile-de-France, notre siège. D'accord. Et le deuxième axe de travail qui est important pour nous, c'est l'employabilité des candidats, et notamment de cette cible de candidats qui, on va le voir, ont tendance à s'auto-censurer et qui ont besoin d'être accompagnés, notamment pour certains d'entre eux, dans le cadre de leur recherche d'emploi. Donc, on le fait à travers des programmes d'empowerment et de conseils dans la recherche d'emploi. Alors, ça, c'est un des axes vraiment très forts de votre association, c'est ces candidats plutôt qualifiés, mais qui s'auto-censurent, qui s'auto-limitent dans leur prospection. Alors, c'est-à-dire, comment est-ce que vous travaillez sur ce registre ? C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, nous sommes, nous, spécialisés sur les profils Bac+2, Bac+5, donc plutôt ceux qui sont diplômés et pour qui, normalement, la recherche d'un emploi ou d'un contrat en alternance devrait être plus facile, on va dire, sauf que ce n'est pas le cas. Sur nos campagnes alternance, par exemple, puisque nous travaillons avec un réseau d'entreprises, plus de 500 entreprises avec lesquelles nous sourçons des candidats pour de l'alternance. Sur nos campagnes, à chaque fois qu'on pose la question « Est-ce que vous auriez postulé à cette entreprise ?» 70% des candidats nous disent non, nous disent je n'aurais jamais osé postuler à cette entreprise sans l'intervention de Mosaïque RH. Donc oui, il y a un vrai enjeu à aller chercher ces candidats-là, là où ils sont, de leur envoyer de la formation, de leur donner à voir ces opportunités de formation ou d'emploi. Quelles opérations menez-vous avec Atlas ?
Alors, avec Atlas, nous avons deux axes de travail. La formation, la communication, la promotion des métiers. Donc, c'est un axe fort en lien avec ce que je viens de dire sur l'autocensure, c'est-à-dire qu'on a besoin d'irriguer ces territoires avec de l'information autour de toutes les opportunités qui existent en matière de formation. Donc, on met à disposition nos réseaux, nos prescripteurs locaux, puisque Mosaïque RH a construit depuis 13 ans un réseau de plus de 3000 points de contact qui sont une multitude d'acteurs de terrain, des associations, les services publics de l'emploi notamment, et qui nous permettent de toucher ces candidats là où ils sont. Et donc, avec Atlas, nous jouons le rôle de relais de la formation autour des métiers, autour des opérations menées par Atlas. Et deuxième axe majeur, c'est le sourcing, puisque lorsqu'Atlas organise des job dating, par exemple, nous sourçons des candidats qui sont en lien avec les métiers, les postes qui sont disponibles. Sur la diversification du sourcing, Alain Assouline, sur ces partenariats, vous y croyez beaucoup, des partenariats qui vont bien au-delà des entreprises, hein, bien sûr. Vous allez probablement pouvoir nous donner quelques exemples de partenariats, mais on sait que ça demande beaucoup d'efforts pour les CFA et qu'il n'y a pas toujours une section d'apprentissage au bout du compte. Est-ce que les résultats sont à la hauteur ? Alors vraiment, le partenariat, c'est le maître mot pour nous, parce que oui, les résultats sont à la hauteur. Et en plus, on a pu, dans le cadre des différents plans d'investissement dans les compétences, des plans PIC 100% inclusion, on a pu justement organiser des rassemblements de partenaires pour faire ce travail-là. Et donc, on a pu le faire. Alors, nous, depuis le début, hein, depuis notre naissance, Webforce 3, puisqu'on était orienté sur les publics prioritaires, on a eu l'habitude de travailler avec les associations d'insertion dans les quartiers. On a aussi, sur la question des femmes, on travaille avec une association comme Social Builder qui adresse cette question des femmes dans le numérique. Sur le handicap aussi, avec des coopérations parfois très différentes d'un territoire à l'autre. Complètement. Alors déjà, sur le handicap, parce qu'on a un gros plan avec la GFIP, hein, qui nous permet... Et d'ailleurs, Atlas fait partie de ce consortium pour adresser les personnes en situation de handicap. Et là, en effet, on s'adresse aux associations en fonction des territoires. Solange Chaplard, quel peut être l'appui d'Atlas sur cette recherche de partenariat, ce montage de partenariats multiples ? On le voit déjà, notamment avec Mosaïque, cette notion de sourcing, c'est un enjeu pour nous, effectivement, d'accompagner les entreprises, aller chercher les talents, tous les talents, là où ils sont. Donc, d'aller un maximum renforcer ces partenariats, aller le faire en local, parce qu'effectivement, les besoins et l'action se fait sur les territoires. Donc, avec nos antennes régionales, de travailler encore plus en animation avec les CFA pour pouvoir monter les partenariats en local aussi, pour pouvoir améliorer cette mise en relation et la diversification du sourcing qui nous est forcément nécessaire pour intégrer tous les talents chez nous. Il y a un quatrième défi, c'est celui de la sécurisation des parcours. Alors ça vaut pour l'amont du contrat comme pendant le contrat. Quel type de dispositifs sont portés par les OPCO qui peuvent répondre à ce défi ? Entre autres, pendant le contrat, on sait que le tuteur ou le maître d'apprentissage est vraiment le garant d'une insertion durable pour l'alternant. Mathieu l'a évoqué précédemment, donc un plan d'action fort auprès de nos entreprises et de nos branches pour pouvoir avoir des solutions clés en main et inciter vraiment les entreprises à accompagner encore plus les tuteurs pour qu'ils puissent accueillir le jeune et favoriser son intégration. En amont, on a parlé de SAS de pré-recrutement, qui est important aussi pour pouvoir amener le jeune vers l'employabilité, vers nos métiers. Il peut y avoir effectivement de la POE, pour ne pas trop jargonner, et effectivement dans les... Préparation opérationnelle à l'emploi, pardon, qui peut déboucher sur l'alternance directement derrière. Qui peut déboucher sur l'alternance. On est à peu près à 10% d'alternants suite à une POE au sein de l'OPCO Atlas, mais également de la prépa-apprentissage, si on veut faire le pendant vraiment pour l'apprentissage. Alain Assouline, vous avez-vous mis en place alors des actions en amont et pendant, en amont notamment avec la participation à une prépa-apprentissage qui est par définition multipartenariale ? Oui, alors on a fait la prépa-apprentissage dans le cadre du PIC, hein, donc avec des partenaires, ceux que je citais, hein, des associations de quartier, avec des associations qui s'adressent à ces publics particuliers. On utilise beaucoup la préparation opérationnelle à l'emploi
pour en faire ce que moi j'appellerais une préparation opérationnelle à l'apprentissage, parce qu'on pense que c'est un élément très important. Et puis, dans le cadre du plan de relance, avec les mesures particulières qui ont été prises pour permettre à des apprentis de rentrer sans avoir trouvé forcément l'entreprise tout de suite, là, on a mis en place le fait que nos formations commencent par un bootcamp de 3 mois. Parce qu'en réalité, si on veut élargir les publics, il faut pouvoir accueillir des personnes qui ne sont pas forcément à Bac plus 2, Bac plus 3. Et qui peuvent être un peu éloignées de l'emploi. Voilà. Et traditionnellement, ce qui est important quand même, c'est que traditionnellement, on démarre souvent, très souvent, par une période en entreprise. Exactement. Là, la particularité, c'est que le bootcamp, c'est 3 mois. Au CFA, c'est bien ça. Exactement, parce que en fait, dans les métiers du numérique, quelqu'un qui ne sait pas coder, il va arriver dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc et c'est ce qui a fait souvent que les jeunes se cassaient le nez sur ces métiers-là pour pouvoir rentrer dans l'entreprise. Donc on commence par les mettre dans le bootcamp, qui est d'ailleurs le même bootcamp qu'on utilise pour ceux qui vont ensuite accéder à l'emploi. Donc pendant 3 mois, ils ont une formation intensive. Et on s'est rendu compte, là, on l'a fait en 2020, on l'a fait là tout ce début d'année 2021 aussi, que ça multiplie leurs chances d'accéder à un contrat d'apprentissage de façon extrêmement significative. Dernière question pour clore cette séquence, Mariam Khattab. Vous travaillez aussi sur les candidats, bien sûr avec les CFA et les opérateurs de compétences, mais aussi sur les candidats. Quel type d'accompagnement vous pouvez leur proposer pour sécuriser leur parcours ensuite ? Alors, nous avons des programmes qui sont hébergés dans le campus Mosaïque. Donc, c'est un programme dans lequel nous accompagnons chaque année près de 1200 candidats, qui sont des candidats soit à la recherche d'alternance, soit à la recherche pardon, d'emploi. Nous avons 3 types de programmes, de l'entretien et un accompagnement individuel. Deuxième type de programme, des ateliers collectifs avec un accompagnement renforcé où on va travailler la recherche d'emploi, on va travailler aussi la mise à disposition d'outils, que ce soit digitaux, ou sous forme d'ateliers spécifiques, thématiques sur certains sujets, comme par exemple le marketing de soi sur les réseaux sociaux, par exemple. Et puis nous avons troisième type de programme qui sont ce qu'on appelle des job training, donc de l'entraînement à l'entretien, de l'entraînement à la rédaction de lettres de motivation. Donc des programmes qui sont très pratico-pratiques. Et sur les programmes collectifs, par exemple, nous avons 80% de candidats qui trouvent une issue positive, c'est-à-dire soit un emploi, soit une formation au bout de 6 mois. Donc ce sont des programmes qui sont vraiment destinés à réduire le taux de chômage, la période de chômage de ces candidats qui sortent de formation, ou alors de réduire le temps de recherche de contrat d'alternance. Et ce sont des programmes qui peuvent durer de quelques semaines à quelques mois. Absolument. Merci à toutes et tous pour tous ces éléments. C'est la fin de ce 3e temps fort consacré à l'innovation et il nous reste quelques minutes pour conclure en évoquant 2 nouvelles initiatives qui vont être prises par Atlas. Les nouvelles initiatives, les bonnes pratiques en action. En conclusion, avec des annonces également, on va évoquer ces éléments-là avec nos 2 interlocuteurs, Yves Portelli qui est DG d'Atlas, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et Nizar Bourchada qui est adjoint à la direction branche et partenariat d'Atlas, bonjour. Bonjour. Yves Portelli, il y a eu beaucoup de choses en matière d'alternance. On l'a vu au cours de ce webinaire avec cet accélérateur CFA qui constitue en quelque sorte un point d'orgue pour Atlas, mais aussi pour Nizar Bourchada qui va très prochainement quitter l'OPCO. Absolument, donc je tenais là aujourd'hui puisque l'accélérateur est un moment un peu phare, un peu bilan de tout ce qu'on a pu faire sur l'année. Eh bien, d'abord à remercier Nizar qui nous quitte très prochainement, maintenant dans une semaine, pour rejoindre un CFA. Donc pour moi c'est
non pas un aboutissement, mais parfois une logique de compétence qui fait qu'aujourd'hui, CFA, OPCO participent d'un même écosystème qui fonctionne et qui fonctionne bien. Donc, NISAR a accompagné pendant 5 ans au sein de l'OPCO nos branches professionnelles et nos partenaires sociaux. Je le remercie parce que c'était un grand moment, parce qu'on a eu la loi de 2018 en plein milieu et qu'il a fallu construire quand même beaucoup de choses en très peu de temps. Donc et voilà, merci NISAR. Et ça n'était pas mince. Quelques mots sur cette transition professionnelle, NISAR ? Non, simplement, voilà, j'ai encore une bonne semaine devant moi pour remercier les équipes d'Atlas, l'ensemble des partenaires, hein, qu'ils soient sociaux, associatifs, mais également tous les partenaires qui, de nos CFA, qui aujourd'hui, bien entendu, sont en ligne et qui nous ont écoutés attentivement. Je voulais vraiment particulièrement remercier Yves, d'une part, pour ses mots qui me touche profondément, mais également pour m'avoir fait grandir professionnellement et humainement. Je sais qu'il saura, comme ces deux dernières années, faire rimer Atlas avec classe. Alors, on va finir de voir avec vous, Dizar Bourchada, les résultats de l'enquête auprès des CFA avec deux questions prospectives qui leur ont été posées. La première, quelles sont vos principales priorités pour les 5 prochaines années ? Clairement, on les a interrogés et deux grandes idées apparaissent. On a la mise en relation jeune entreprise avec le numéro 1 du podium et le numéro 3 à travers l'attractivité dont on a fait référence à la première table ronde, mais également l'accompagnement des apprentis en entreprise. Et on a également un second enjeu qui est créer de nouvelles formations en apprentissage. Là aussi, c'est clairement une attente des CFA et je pense que la D2I sera accompagnée là aussi ces enjeux-là. Il y a une deuxième question qui est elle aussi prospective mais plus opérationnelle. Quels sont les domaines dans lesquels vous exprimez un besoin, vous CFA, dans lesquels vous avez un projet ? Alors là, clairement, on a été complètement en adéquation avec ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. Cette enquête, on l'a réalisée, comme vous l'avez dit en introduction, fin juin, début juillet. Et là, on voit amélioration des démarches administratives entre les OPCO et les CFA. On l'a entendu avec Philippe et Nicolas. Valorisation de l'apprentissage auprès des entreprises. Il y a eu également la première table ronde qui a été consacrée. Et on a eu développement des échanges avec les branches professionnelles. C'est souvent des questions que j'ai pu avoir là, ces deux dernières années des CFA. Et on l'a déjà réalisé. On a déjà fait discuter des CFA avec des branches professionnelles. Et ça s'est très bien passé. Yves Portelli, à partir de ces attentes des CFA, à partir aussi, bien sûr, des enjeux exprimés par vos branches professionnelles, quels sont les axes stratégiques adoptés par Atlas ? Eh bien, depuis, vous l'aviez peut-être remarqué, mais depuis le début, on parle beaucoup de la promotion, on parle beaucoup des métiers, on parle beaucoup de la promotion de l'alternance dans sa globalité. C'est un chantier qui reste un chantier ouvert, continuellement en amélioration, j'ai envie de dire, et puis très souhaitable, parce que si on veut que l'alternance réussisse, si on veut que les jeunes réussissent dans leur parcours, il faut qu'ils connaissent bien les métiers. Et je crois que c'est vraiment l'objectif de nos branches professionnelles, c'est de faire découvrir la richesse des métiers qu'elles représentent, leur évolution, l'évolution des compétences qui sont derrière. Et ça, c'est quand même un de nos objectifs primordiaux, vous l'avez vu, les 4 sites qui sont créés, et puis tout au long de l'année, beaucoup d'outils à disposition, région, CARIFOREF, ou localement, en territoire, des relations directes avec les CFA pour montrer tout ce qu'on sait faire. Il y a un deuxième axe stratégique sur lequel vous planchez depuis de longs mois maintenant, c'est le lancement d'une communauté de CFA. De quoi s'agit-il ? On s'est dit que quand on travaille ensemble, il faut apprendre d'abord à se connaître mieux et pour se connaître mieux, il faut partager les mêmes problématiques. Donc construire une communauté de CF Atlas, c'est aussi faire travailler ensemble les CFA qui sont sur nos métiers avec nous sur des problématiques extrêmement simples qui peuvent aller de... Nous en avons parlé, des difficultés parfois administratives, mais aussi sur un partage d'évolution de compétences, rencontrer nos branches professionnelles ou tout simplement regarder les résultats de nos études, soit territoriales ou soit nationales, sur l'évolution des compétences. Et donc c'est dire au CFA, apprenons à tous travailler ensemble, avec une variation de participants selon les groupes ou l'intérêt que les CFA pour porter aux thématiques que l'on abordera. Et donc c'est quelque chose qui nous paraît important, c'est de travailler ensemble pour mieux se comprendre. Je pense que c'est l'objectif. Troisième axe stratégique, c'est la dimension territoriale. Alors comment est-ce que vous l'abordez ? Comment peut-on être plus en proximité avec les acteurs de l'alternance ?
j'ai envie de dire, le territoire, c'est logique. C'est une évidence. Et il faut que nous arrivions par nos politiques à développer cette proximité avec l'ensemble des acteurs des territoires. Parce que la proximité, aujourd'hui, c'est un des cœurs moteurs de l'alternance. Il faut que l'entreprise soit près du CFA et il faut qu'elle développe des compétences dont nos branches ont besoin. Donc, je veux dire, tout ça, ça fait partie d'un écosystème extrêmement important. Nous allons développer des rencontres dans les territoires afin de pouvoir réunir à la fois la vision stratégique nationale, à la fois les institutionnels locaux, à la fois les CFA, autour de nos métiers, autour de nos branches professionnelles, qui sont aussi implantées dans les territoires. Donc nous allons mettre en place, comme nous l'avions fait l'année dernière à distance, des rencontres territoriales autour de ces thématiques. Un tout dernier mot pour conclure, hein, le mot de la fin sur des interlocuteurs importants pour les CFA et les OF, ce sont vos développeurs de l'alternance. Mais là, vous avez la carte, voilà. Vous avez la carte de nos régions et vous avez le nom de nos 10 développeurs de l'apprentissage qui sont des rouages essentiels puisque ce sont les contacts dans toutes les régions de nos des CFA avec lesquels on travaille. Et vous pouvez aller vers eux. Ce sont nos experts de l'apprentissage sur le terrain. Allez-y, ils sont à votre disposition. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Merci à tous. Merci à vous, Nicolas.